Le triathlon s'est enchaîné, 1,5 km de natation, puis 40 km de vélo, puis courir durant 10 km. Ce télétrottoir a été réalisé hier après-midi dans le centre-ville d'Avignon. Pourquoi en Avignon? Parce que la capitale du Vaucluse reçoit le premier championnat du monde officiel de triathlon. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, une première sur Canal+. Durant 3 heures, vous allez vivre en direct et en intégralité le premier championnat du monde officiel de triathlon avec classement individuel et par équipe. Plus de 700 athlètes présents, représentant 40 nations pour un événement exceptionnel. Les meilleurs triathlètes du monde sont tous ici en Avignon. Et pour commenter cet événement, un spécialiste du genre, Marc Toesca, triathlète de renom et bien connu des abonnés et des autres. Marc, quelle est l'origine du triathlon? D'abord, le triathlon est un sport neuf puisqu'il est né au milieu des années 70. C'était à San Diego, en Californie. San Diego qui est d'ailleurs la ville de résidence de Mark Allen, le favori d'aujourd'hui. Je crois qu'on aura l'occasion pendant 3 heures de reparler de Mark Allen. Et ensuite, la légende raconte, parce qu'il y a déjà une légende du triathlon, la légende raconte qu'un vétéran de la marine américaine a lancé un défi à ses propres cadets. Il leur a dit... Je vous bats sur 4 km de natation, 180 km de vélo et le marathon pour finir, c'est-à-dire 42 km, 195. Ce triathlon est devenu le plus beau de tous, le triathlon d'Hawaï. Mais je crois que tous les triathlètes ici, présents à Avignon, qu'ils soient français ou étrangers, ont tous, dans un coin de la tête, au moins dans un coin du cœur, les images de Nice 1982-83. Ce sont les images qui ont révélé le triathlon en France. Car le triathlon est arrivé en Europe en 1982, c'était à Nice. Alors je vous propose de faire un petit flashback. C'était il y a 6 ans, le triathlon de Nice. Regardez ces images, elles sont tout à fait superbe. Mark Allen, 6 ans après, dans un état bien sûr nettement meilleur que ce qui était en 1983. Marc, le triathlon a beaucoup évolué, ces images, nous pouvons aujourd'hui les retrouver. Les athlètes ne finissent jamais dans ce même état. Non, parce que là nous avons vu 82-83, le triathlon arrivé en Europe est arrivé à Nice, donc en 82. Et c'est vraiment l'antiquité du triathlon. Aucun triathlète européen ne savait s'entraîner à l'époque. On ne savait pas ce qu'était l'entraînement spécifique au triathlon. On avait des gens d'un certain âge, essentiellement la moyenne d'âge se situait entre 32 et 38 ans, qui se sont lancés dans le triathlon. C'était des anciens nageurs, des anciens cyclistes, des anciens coureurs à pied, mais personne n'avait encore enchaîné les trois disciplines. Là, c'était vraiment l'antiquité du triathlon. Aujourd'hui, vous allez le voir, ça va nettement plus vite et les triathlètes arrivent dans un état de fraîcheur assez étonnant. Le départ de ce premier championnat du monde est prévu à 14h. Nous avons 25 minutes à passer ensemble, puis après, bien sûr, 2h30. 25 minutes d'avant-sujet, de coulisses pour vous présenter cette discipline pour la première fois diffusée sur Canal+. Il y a parmi ses concurrents un absent, parmi les meilleurs du monde, un absent qui ne peut participer car il est blessé, mais il est près de nous alors que l'on découvre sous cette forte chaleur. Il fait 28 degrés sur Avignon. Un absent de marque, c'est tout simplement le meilleur français, Yves Cordier, champion d'Europe en titre, qui est près de nous et qui va, durant ce reportage, nous faire part de ses connaissances techniques. Que vous êtes blessé, que s'est-il passé, Yves? Oui, un accident bête, j'étais dans un triathlon à Embrun et j'ai été renversé, une fracture de la clavicule droite, et j'espérais pouvoir partir dans ce triathlon, mais la cicatrisation s'est faite lentement et j'ai encore 15 jours de repos forcé, mais j'espère que la fin de saison sera meilleure pour moi. Très bien, alors premier petit sujet, c'est bien entendu le parcours. Nous allons prendre connaissance de ce parcours qui se déroule en 3 parties, une partie natation, une partie vélo, une partie course, un parcours tout autour d'Avignon qui va commencer d'abord sur le Rhône par l'épreuve de natation, 1,750 km, alors que ce Dossard 5, c'est David Palmucci, l'Italien. Ce parcours... Oui, donc un parcours dans le Rhône, 1,750 km. Les concurrents emprunteront le pont d'Avignon, ce sera très joli. Le courant sera quasiment nul. Le départ vélo sur le bord du Rhône, parcours totalement plat, abrité du vent pour le début.
mais avec tout de même deux difficultés entre les 15e et 20e kilomètres. Ce sera la grande difficulté de ce triathlon. Deux côtes qui feront très mal aux jambes. Oui, disons que ce sont deux côtes qui feront une sélection, mais toutefois moyenne, puisque les concurrents pourront la monter sur un braquet de 52-17, 52-18. Mais bon, c'est sûr que ça fera une bonne sélection. Ensuite, donc, un grand parcours tout plat, avec certainement du vent de face. Et là, je crois que les concurrents qui auront plus de fraîcheur l'emporteront pour la fin du vélo. Parcours parallèle au Rhône. Et sitôt l'arrivée du vélo, ils enchaînent pour la dernière épreuve, qui sont donc ces 10 km à parcourir. Oui, la course à pied donc sur une île, l'île de la Barthelas, et puis un point stratégique, un demi-tour, où les concurrents vont se rencontrer, et là il y aura certainement des moments forts où les concurrents vont pouvoir faire une sorte d'épreuve de force, et puis les derniers 2 km dans Avignon, là je pense qu'on connaîtra le vainqueur. La décision devrait donc se faire certainement dans la dernière épreuve, les 10 km à pied. Il y a un point à signaler à propos de ce parcours. Donc il faut rappeler qu'il y a trois catégories de triathlon. Catégorie A qui est la catégorie la plus courte, catégorie B qui est la moitié d'Hawaï, et la catégorie C, tout est permis jusqu'à 180 km vélo, jusqu'au marathon 42 km 195 et jusqu'à 4 km de natation. À propos de la catégorie A, généralement la natation est limitée à 1,5 km, mais là les organisateurs ont considéré qu'il y aurait un léger courant, même si les barrages sont fermés en amont d'Avignon. Donc on a allongé de 250 mètres la natation afin de retrouver un triathlon couru dans les temps normaux d'un triathlon de catégorie A. Marc Allais, dossard numéro 7, grand favori américain de 31 ans, meilleur triathlète du monde depuis 3 ans, 5-6 fois vainqueur à Nice, grand favori de ce premier championnat du monde. Et à signaler qu'il va peut-être être aussi pour la 4e fois vainqueur ici à Avignon, car Marc Allais est déjà venu courir 3 fois à Avignon, puisque cette ville reçoit le triathlon depuis maintenant 1985. C'était généralement des triathlons de catégorie B, c'est-à-dire moitié de distance d'Hawaï. On a entreaperçu le matériel de ces triathlètes. Peut-être que vous ne connaissez pas le matériel d'un triathlète. Alors c'est l'occasion de le découvrir, et c'est Philippe Métion, numéro 2 français en l'absence d'Yves Cornier, qui nous présente le matériel du triathlète. Le triathlon est une épreuve chronométrée et nous devons donc éviter le maximum de perte de temps. Nous utilisons donc des matériaux qui sont conçus pour cela, et notamment une trifonction. Cette trifonction-là, nous la mettons avant le départ. Avec celle-là, nous faisons l'épreuve de natation, l'épreuve cycliste et aussi la course à pied. C'est une combinaison qui est conçue pour laisser passer la transpiration et donc assure un confort maximal. Pour l'épreuve natation, j'utilise cette combinaison en néoprène qui évite les refroidissements et qui permet une meilleure flottaison. C'est une combinaison qui a la particularité de s'enlever très rapidement grâce à une fermeture éclair. Elle s'enlève comme cela en moins de quelques secondes. Pour l'épreuve de natation, j'utilise également des lunettes. Ces lunettes me permettent de m'orienter plus facilement. La vision des bouées sur le parcours de natation est plus facile comme cela. Juste après avoir donc enlevé cette combinaison, je me dépêche pour aller à mon emplacement vélo et je mets tout de suite ces chaussures de vélo, chaussures traditionnelles, qui se mettent et se défaitent grâce à un velcro et qui nous permettent donc de gagner encore du temps. D'autre part, ces chaussures de vélo se mettent avec des attaches rapides, c'est-à-dire que c'est exactement le même système que les chaussures de ski. Elles s'emboîtent directement sur la pédale, les pédales de vélo, et ça nous fait gagner encore du temps. Et en plus, assure un meilleur confort. Pour l'épreuve vélo, j'utilise également un casque qui nous protège en cas de chute, et aussi ce casque améliore notre aérodynamisme. En ce qui concerne l'épreuve course à pied et vélo, j'utilise des lunettes à verre foncé qui permettent de nous reposer le cerveau et aussi d'éviter que les moucherons et toutes sortes d'insectes pénètrent dans les yeux et qui pourraient nous faire perdre du temps et nous faire un petit peu s'énerver, quoi. Dès que l'épreuve vélo est arrêtée, je saute dans mes baskets
baskets qui sont chaussées avec des élastiques et non pas des lacets traditionnels, et cela pour nous éviter de perdre du temps et les enfiler plus rapidement. En ce qui concerne le vélo, j'utilise un cadre plongeant, donc avec une petite roue à l'avant et une roue lenticulaire à l'arrière, avec la particularité d'avoir un guidon de triathlète, c'est-à-dire un guidon à quatre appuis et qui nous permet de nous soulager les épaules et les reins et d'avoir un meilleur coefficient de pénétration dans l'air, c'est-à-dire un aérodynamisme amélioré. Le départ est prévu, le départ du quart, pour quelle raison? Le départ du quart est prévu dans 5 minutes, ce quart va amener les 50 premiers dossards à l'endroit où partent les nageurs, distant de 2 km d'ici. Ce quart est prévu à 2h10, c'est le départ de la première vague à 2h. La première vague permettra aux 160 meilleurs triathlètes du monde de partir, les 160 meilleurs hommes. Rappelons, c'est un championnat du monde. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, chaque pays a sélectionné 6 hommes et 6 femmes pour représenter leur nation. Sont présentes 50 nations et il y a en plus des athlètes invités par leur fédération à la suite de sélections qui concourent mais non pas pour le titre officiel de championnat du monde. Il y aura un classement individuel et un classement par équipe qui se fera sur les trois premiers. Le célèbre pont d'Avignon, qui s'appelle exactement le pont Saint-Bénézet et qui date du 12e siècle. Et à noter que les triathlètes passeront dessous et c'est un véritable plaisir, Yves ne va pas me contredire, de nager sous ce fameux pont d'Avignon. Yves, on a vu ce matériel du triathlète. Le matériel évolue rapidement. Le triathlon est toujours à la pointe de la technologie. Ben oui, c'est sûr que je crois que là on est en plein dans le sujet du fait que on a été un peu propulsé par les médias grâce à la victoire de Greg Lemon dans le Tour. Et je crois que ça nous fait beaucoup de bien de voir que la pointe de la technologie qui entre dans le triathlon sert parfois pour les meilleurs cyclistes, pour les meilleurs coureurs à pied ou pour les meilleurs nageurs. Donc je crois qu'on a toujours des innovations avant tout le monde et on cherche beaucoup à s'améliorer là-dessus. On a maintenant d'autres innovations que le guidon. Il y a donc les roues lenticulaires, les roues à bâton et puis bien d'autres encore vont venir. On aura l'occasion d'en parler durant ces 40 km de vélo. Et à propos de l'évolution du matériel, toute cette évolution nous arrive d'abord des États-Unis. Parce que là-bas, aux États-Unis, il n'y a aucune contrainte. Il y a les gens connaissaient d'abord le cyclisme à travers le triathlon avant l'arrivée de gens tels que Greg Lemon, par exemple. Et c'est vrai que des triathlètes comme Dave Scott ou Mark Allen assuraient la publicité. On les voyait dans les magazines avec des casques. C'est eux qui faisaient, comme Mark Allen ici, la publicité pour du matériel de cyclisme, pour des vêtements de cyclistes. Mark Allen est dans le car et justement on écoute Mark Allen interviewé par Marc Toesca. Comment vous sentez-vous? How do you feel? I feel pretty good. I trained specifically for this race. Je me sens parfaitement bien. Cut my miles back and done Je me more suis entraîné spécifiquement pour cette épreuve. It's going to be a really hard race to win, though. Ce sera une course très difficile. Il y a des Australiens, des Américains, des Européens. Cette course sera très difficile. Quels sont les concurrents les plus dangereux pour cette épreuve? From the United States, I think Mike Pigg. Mike Pigg est un des concurrents. Rick Wells. Dietrich. The list goes on. I can sit here all day and name them. There's probably, I'd say, 10 people who could win this race. Il y a 10 coureurs, 10 triathlètes qui pourront gagner cette épreuve. Vous êtes un des plus célèbres triathlètes dans le monde. En France, on vous aime beaucoup. On connaît moins bien votre histoire. Alors, quand avez-vous commencé à pratiquer le triathlon? You are one of the most famous triathletes in the world. Can you tell a little bit of your story? When did you begin to practice triathlon? I started triathlons in 1982. J'ai commencé le triathlon en 1982 et j'ai vu un reportage à la télévision et j'ai tout de suite décidé de me lancer dans le triathlon. J'ai participé à quelques courses que j'ai pris au hasard dans le calendrier. Et aujourd'hui, me voilà en 1989 à ce premier championnat du monde de triathlon. La première fois en France, c'était en 82 à Nice, un triathlon que vous avez bien sûr gagné. Que pensez-vous de l'évolution du triathlon en France et des triathlètes français? Quand j'ai fait Nice en 1982, il y avait peu de gens dans la rue et sur la route en train de courir, en train de faire de la bicyclette, en train de s'entraîner. Et quand je suis revenu en 1989, il y avait des triathlètes partout.
et des triathlètes de haut niveau comme Yves Cordier. Et la France peut attendre beaucoup d'un triathlète comme Yves Cordier, qui hélas ne sera pas présent ici au triathlon d'Avignon. C'est le premier véritable champion du monde. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des surprises? Il est tout à fait possible d'avoir, d'avoir des surprises dans cette course. Il y a des gens que l'on ne connaît absolument pas. C'est court, c'est rapide. Il y a peut-être un garçon au top niveau qui peut sortir, un excellent nageur qui peut sortir en tête de l'épreuve et passer la ligne d'arrivée en tête. Tout est possible dans cette course. Marc Allen dans le car avec cette caméra placée dans le car. Il y aura 14 caméras qui vous feront découvrir, 15 caméras exactement, qui vous feront découvrir ce triathlon tout au long du parcours. Il y a 3 hélicoptères, 3 motos images, 2 motosons sur lesquels nous retrouverons plus tard Thierry Dujon et Thierry Gilardi. Il y a dans ce car les 50 premiers dossards avec les formations italiennes, américaines, brésiliennes, polonaises, norvégiennes, autrichiennes, suisses, belges et japonaises. Aujourd'hui, le triathlon se pratique dans le monde entier. La Fédération internationale, l'Union internationale du triathlon, l'IUT, vient enfin de se créer. C'était en avril de cette année. Le siège est maintenant à Stockholm. Le président est un Canadien, M. Les MacDonald. Et ce triathlon sera peut-être, même sûrement prochainement, une épreuve olympique, puisque M. Zaramanche, le président du CIO, est tout à fait favorable au développement de ce sport. Et la catégorie A, comme vous en a parlé Marc il y a quelques instants, la catégorie A donc sera officiellement la distance olympique. Elle durera environ 2 heures. Ce triathlon aujourd'hui devrait durer autour de 2 heures. C'est une durée parfaitement médiatisable pour offrir un spectacle le plus formidable possible. Il y a une autre raison que cette catégorie A, c'est-à-dire 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied, soit retenue pour les Jeux Olympiques. La raison est simple, c'est en natation et en course à pied, ce sont les distances les plus longues disputées. Les 10 km sur piste, le 10 000 mètres, le 1500 mètres en natation et les 40 km représentent, d'après la Fédération internationale de triathlon, ces 40 km de cyclisme représentent l'équilibre parfait entre le 1,5 km de natation et les 10 km de course à pied. Vous découvrez ce parc à vélo. Alors ce parc à vélo est l'endroit où bien entendu les athlètes déposent tout leur matériel. Et curieusement, ce matériel a été déposé hier entre 10h du matin et 17h30. Matériel gardé bien sûr par les gens de sécurité. Et pour quelle raison déposez-vous ce matériel si tôt, Yves? Bah, disons que c'est pas dans tous les triathlons, mais là il y a donc une sécurité à respecter. Les commissaires doivent regarder si le matériel est bien en état, disons pour les boyaux, savoir s'ils sont bien collés, les freins, enfin disons que. Et puis ça permet aussi de, quand les triathlètes arrivent le matin, qu'il n'y ait pas de bouchons et donc ça simplifie beaucoup l'organisation. Il y a parmi les athlètes, bien entendu, on a beaucoup parlé d'hommes, il y aura les femmes, les meilleures du monde et une équipe de France. Et parmi une internationale française, eh bien, il y a une athlète, Véronique Dumas, qui se déplace curieusement dans un mobile home lorsqu'elle fait ses triathlons. Cela vous prouve à quel point il y a des amateurs à côté des professionnels dans ce domaine. Ça marche pas. Un petit problème de son sur le reportage de Véronique. Nous retournons donc dans le car. Ces bus qui amènent les triathlètes sur l'aire de départ de natation qui se situe à un peu moins de 2 km du parc à vélo. Donc les concurrents à 14h prendront le départ et descendront le Rhône sur 1750 mètres. 1 km 750 de natation. Avec, précisons-le, pas de courant, une température de l'eau qui sera de l'ordre de 20-22 degrés, des conditions très chaudes, peut-être même d'ailleurs un petit peu trop chaudes. Oui, bah disons que c'est toujours très difficile d'évoluer dans les pleines chaleurs. Bon, disons qu'il n'y aura pas de gros problèmes pour la natation, mais les problèmes arriveront certainement dans la course à pied où vraiment c'est là où on souffre le plus de chaleur. Mais sur un triathlon A comme celui-ci, bon, les hommes n'ont pas encore vraiment le temps d'être en déshydratation. Et là, nous sommes encore dans le bus
les visages sont déjà tendus et je pense que des gens comme Mark Allen par exemple ou Froeland sont déjà dans la course. Alors comment pourrez-vous distinguer, alors que l'on voit le dossard 56 Dave Bradin qui fait partie de l'équipe nationale néo-zélandaise, comment pourrez-vous distinguer ces athlètes? Ils ont un dossard, ils ont au feutre indélébile marqué sur leurs deux biceps à droite et à gauche leur numéro de dossard. Ils ont également sur les cuisses marqué leur numéro de dossard et puis dans l'eau, ce sera sur leur bonnet. Karel Blondel, le 39, c'est un Belge. À ses côtés, Werner Jurtehagen, également de l'équipe nationale belge. Il y a des nations comme l'île Vierge qui sont présentes ici. Hong Kong, Porto Rico, des athlètes de Curacao. Ou Curaçao, par exemple. Les îles Vierges. Des îles Vierges. Et alors, c'est une chose surprenante, justement, parce que Mark Allen a un petit peu peur de ces athlètes tout à fait méconnus qui ne sortent jamais en Europe. Et on peut peut-être assister à une surprise. Oui, c'est le premier véritable et premier officiel, le premier champion du monde officiel de triathlon. Il y a des gens que Mark Allen n'a jamais croisé, jamais rencontré. Et il a dit dans son interview, on peut s'attendre à tout dans ce triathlon. En plus, vous l'avez vu et Yves l'a expliqué, le circuit cycliste ne présente aucune difficulté. Un garçon comme Mark Allen aura du mal à faire la différence en cyclisme. Et vraiment, on peut s'attendre à tout. Et c'est un champion du monde très, 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 très ouvert. Et on annonce 5 à 6 noms, 6 noms potentiels, 6 triathlètes peuvent être champions du monde aujourd'hui. Les visages se tendent. À côté de Mark Allen, c'est Jeff Devlin de l'équipe nationale US. Certaines anxiétés. La course démarrera dans quelques instants. Les moments les plus fous pour ces athlètes arrivés pour la plupart en tout début de cette semaine qui ont repéré ce trajet. Certains d'ailleurs ont nagé encore dans le Rhône hier à 17h. L'eau hier était à 20 degrés mais elle a peut-être monté aujourd'hui encore. Les triathlètes sont équipés de combinaisons, mais il y a quand même un point important à propos de la réglementation de ces combinaisons. En dessous de 16 degrés, la combinaison est obligatoire et au-dessus de 23 degrés, cette combinaison est interdite. Entre 16 et 23, on fait vraiment comme on le sent au feeling. Mais généralement, les combinaisons, les triathlètes préfèrent mettre les combinaisons car c'est vrai qu'elles aident beaucoup à la flottaison. Et pour un parcours comme le Rhône par exemple, ce parcours de 1750 mètres, ce sera beaucoup plus facile avec une combinaison. Première vague, bien sûr, elle concernera tout d'abord les athlètes masculins. Les femmes partiront 10 minutes après. Puis une troisième tranche partira 20 minutes après. Elle concernera une tranche d'âge située entre 25 ans et 40 ans. Puis après, ça sera la tranche au-delà entre 40 et 65. Il y a un athlète de 70 ans, le plus jeune, ayant 15 ans. Première chose à faire, c'est donc de mettre sa combinaison le plus vite possible parce que le départ ne sera donné que par un coup de pistolet et il faut être très vigilant. Et puis donc se placer sur le mieux possible sur la ligne de départ. La mise à l'eau est souvent un des instants, un des moments les plus pénibles des triathlons. Oui, disons que là aujourd'hui l'eau est quand même relativement bonne, mais c'est vrai que quand l'eau est froide, on a de temps en temps du mal à rentrer dans l'eau. Et on ne nage pas toujours dans des bassins exceptionnels de propreté. Oui, c'est sûr, mais enfin je crois que c'est le triathlon et on montre de bonnes images. Ce filet. Jean-Philippe, tout à fait Thierry. Jean-Philippe, c'est ici sur la ligne de départ, ou plutôt cette mare d'eau de départ avec Vincent Bavel, un des concurrents français de ce triathlon. Comment vous le sentez, Vincent, ce triathlon? Pour l'instant, je ne sais pas encore, c'est le départ, ça va partir très très vite là. Et tous les coureurs, tous les nageurs se mettent un peu sur la droite puisque le courant porte plus sur la droite et on délaisse un peu la gauche du départ. C'est pour ça que ça va être très 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 dur au départ, il faut faire sa place. Votre tactique, suivre les plus forts? Ah oui, au maximum, c'est tout. Vincent Bavé qui est du Racing Club de France et qui est entraîné en cyclisme par Cyril Guimard, himself, en personne. Et qui a 21 ans et qui est un étudiant en kinésithérapie, qui est d'ailleurs l'un des rares athlètes à être en équipe de France à cumuler les études et le sport à un haut niveau. Mark Allen tarde à se mettre dans l'eau là. Mark Allen qui n'est pas un nageur exceptionnel.
Les temps de ces athlètes sur 1500 mètres se situent autour de 17 minutes pour vous donner un ordre d'idée. Le record du monde, même si cela n'a rien à voir, mais simplement pour avoir un ordre d'idée. Le record du monde est détenu, vous savez, par Salnikov en 14 minutes 53 secondes. Bon, là, nous sommes en eau douce. Ces athlètes sont capables de tourner en 16 minutes, 16 minutes 30, 17 minutes. Bref, dans la discipline du 1500 mètres, ces athlètes sont capables d'être dans une finale nationale, même internationale. C'est vous dire la qualité de ces nageurs qui, après, bien sûr, enchaîneront le vélo. Attention, le départ dans quelques instants. Ça sera un départ au coup de pistolet pour donc ce premier championnat du monde de tout ce qu'il y a de plus officiel. Avec ce filet qui va se lever. L'un des favoris, Richard Wells. Un Australien. Néo-Zélandais. Néo-Zélandais, oui. Excellent nageur. Et qui a gagné à Nice en 1987. Jean-Philippe. Thierry Gilardi avec nous. Oui, juste pour vous donner les conditions de course avec une eau à 21 degrés alors que la température extérieure est à plus de 40 degrés. Notre thermomètre a même explosé. Donc des conditions assez difficiles. Une eau très calme, pas de courant, mais une eau très sale. Plus de 40 degrés, il est évident que la course à pied sera très très difficile. Il faudra s'économiser, même si c'est une course contre la montre, il faut partir vite, arriver vite. Ce triathlon durera environ 2 heures, même moins pour les premiers. C'est le plus court des triathlons, mais peut-être le plus explosif. C'est une grande tension là, je crois. Il faut d'entrée partir vite, éviter les bousculades. Parfois les coulées sont possibles et le starter. Michel Maridet, organisateur de ce triathlon d'Avignon, avec le concours bien sûr de la ville, du département, avec la fédération et son président Jean Cotte. Michel Maridet, ancien très bon triathlète. Et organisateur des triathlons d'Avignon précédents également. Énorme organisation que la préparation de ce triathlon, plus de 600 bénévoles, des pompiers, des escadrons de gendarmerie, des compagnies de CRS, la police nationale, tous mobilisés pour cet événement international. Qui est retransmis par 9 pays en direct. Que ce soit au Japon, en Suède, en Allemagne fédérale, au Canada, en Australie. Et 150 concurrents pour le départ de natation, c'est vraiment un nombre idéal. Personne ne se bouscule. Le filet va bientôt se lever. Départ dans quelques secondes. On évite bien sûr de se faire voler le départ. Chose qui arrive fréquemment en triathlon. Oui, mais pour le moment, il y a trop de pression sur le filet. C'est pour ça que les commissaires demandent à la première ligne ou aux nageurs qui se trouvent en première ligne de se reculer légèrement. Dossard 81. C'est Juan Ayet José espagnol. En partie des 6 athlètes de l'équipe nationale espagnole. Quelques petits problèmes au départ de la natation. Ça y est, c'est parti pour 1 km 750 de natation et ce chronomètre qui va donc défiler durant tout le triathlon. Durant les premiers mètres, l'on marche, on essaye de prendre la meilleure position possible. Et il faut d'ailleurs tout de suite sprinter cette véritable course de vitesse dès les premiers hectomètres. Il faut sortir du paquet le plus rapidement possible, éviter de prendre des coups de bras et de jambes. Vous savez, dans ce type de départ, les nageurs, les concurrents nagent les uns sur les autres. Certains même boivent la tasse au départ, donc les meilleurs sprintent dès le départ pour se dégager. C'est ce que fait régulièrement Yves Cordier. Marc, tout de suite un attardé, c'est Guy Telsen, c'est un Norvégien. Dans la bagarre, il a perdu son bonnet, ses lunettes et il est parti avec 5-6 longueurs de retard sur tout le monde. Ce parcours donc de natation, le pont d'Avignon est à 1 km de l'arrivée. Déjà des athlètes distancés entre le premier et le dernier, il y a déjà près de 40 mètres. 40 mètres peuvent déjà être irrémédiables. Jean-Philippe. Ouais, c'est sûr que... Oui Thierry. C'est le Néo-Zélandais qui a pris la tête de cette épreuve de natation.
Il précède d'une longueur un peloton qui est encore très très groupé, mais tous les cas probablement qu'au bord du fleuve il y a un petit peu trop de courant et tout le monde revient vers le milieu du Rhône. Oui, c'est sûr que de prendre de l'avance comme fait Richard West, c'est très important et les concurrents qui ont déjà pris un retard difficile auront du mal à revenir parce qu'après il n'y aura pas de détails dans la partie vélo et course à pied. Richard Wells, athlète de 28 ans qui vit à Auckland, qui je vous rappelle a donc gagné le triathlon de Nice en 1987, qui est l'une des épreuves phares du calendrier international. Wells qui précède un Coquart, et juste derrière on aperçoit Marc Allen, donc très bien placé pour le moment. Notez que Richard Wells avait gagné le triathlon de Nice en 87 en l'absence d'Yves Cordier et de Marc Allen. Yves Cordier en 87 avait déjà connu quelques petits problèmes de clavicule. Là c'était pas un chien, c'était un belge sur la route. Marc Allen qui avait remporté les 5 éditions précédentes. 2 minutes 40 de course, plus de 200 mètres parcourus. Jean-Philippe, la première bouée, Wells en tête devant. Troisième position, un Australien, c'est Bevan. L'épreuve de natation se jouera de toute façon entre les Australiens et les Néo-Zélandais qui sont véritablement les meilleurs nageurs du circuit international. Une tradition chez ces athlètes. Durant de nombreuses décennies, les Australiens ont notamment dominé les épreuves olympiques dans le domaine de la natation. Et d'ailleurs, les nageurs du circuit triathlon ont adopté la technique australienne, c'est-à-dire qu'ils ne battent pratiquement pas les pieds, puisque les jambes, la force des jambes, on la conserve, et pour le cyclisme, on la force à pied. 5 mètres d'écart entre le premier, donc entre Wells et les derniers, tout là-bas, déjà au fond, qui n'ont pas abordé la première bouée. Un écart déjà considérable. Yves qui est un excellent nageur, si on vous demandait de détailler le style de Richard Wells. C'est un style très puissant, c'est sûr qu'il n'a pas la même corpulence que Wolfgang Dietrich ou même de moi, puisque bon, il mesure je crois 1m85 et pèse beaucoup plus, il est beaucoup plus musclé, mais c'est un autre style et je crois qu'il fait partie des meilleurs nageurs et je crois même c'est un ancien nageur qui avait fait des championnats du monde sur 1500 mètres, donc c'est une grande valeur. Et je crois que c'est pas une surprise qu'il sorte de l'eau en tête. Le seul qui pourra l'accrocher, ça sera certainement Wolfgang Dietrich. Et aussi, on verra donc les Australiens. Vous nous parliez de Wolfgang Dietrich, donc athlète d'Allemagne de l'Ouest. Nous l'avons interviewé hier sous ses formes de petits médaillons que vous retrouvez souvent dans nos reportages depuis déjà plusieurs saisons, qui nous parle, Wolfgang de Dietrich, des problèmes techniques que peut justement poser la natation et les départs et le fait de nager très serré et très vite et de garder sa ligne de course. Wolfgang Dietrich. Il ne devrait pas tarder. The swimming is dangerous. I think the swimming is very fast and so I hope that. La natation ici est une épreuve très dangereuse puisqu'elle est très rapide. Le problème, c'est que nous partons toujours en gros paquet, et notamment 10 à 15 gars jusqu'à la fin de la course, et le plus difficile est de ne pas prendre de coups. Wolfgang Dietrich qui a 27 ans et qui était champion d'Allemagne fédérale depuis déjà 2-3 saisons, qui est tout simplement le meilleur triathlète allemand. Mais en tête, pour l'instant, Richard Wells, ce néo-zélandais. Une cassure, les nageurs sont encore groupés, comme on dit, en peloton. C'est important parce que si les nageurs de tête n'arrivent pas à faire une cassure, je crois que Marc Allen et tous les autres favoris seront bien partis pour la course. Vous avez raison Yves, mais il y a quand même un petit groupe de 8 qui est tenté l'échapper, puisque vous parliez de peloton. Ouais. Un petit groupe d'accélérer un petit peu, de forcer sur les bras pour donner une nouvelle cadence à ce début de course. Et une petite cassure est en train de s'opérer.
Thierry, pourrions-nous avoir les numéros des 8 concurrents en tête? Eh oui, pas facile, possible, vous vous en doutez. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que Wells en tête, ça c'est sûr. Que Kokar, le Tchécoslovaque, est en deuxième position. Qu'il y a l'Australien Beaven qui semble un tout petit peu à la peine en ce moment, remonté par deux autres concurrents. Je vous rappelle dans quelques secondes, car on ne les a pas encore identifiés. Est-ce que vous voyez le numéro 7 qui n'est autre que Mark Allen? Non. Dans le peloton, on est en train, bien entendu, d'essayer de le repérer. Si de temps en temps, il y a des petits décrochages, vous n'entendez pas toujours parfaitement Thierry Gillard, qui se vient du fait qu'il est sur un Zodiac, qui suit les nageurs et qui sera parfois décroche au niveau technique. C'est pour cette raison, en aucun cas, ne déréglez votre téléviseur. Il arrive très souvent que les potes de natation dans un triathlon se disputent dans un fleuve ou une rivière. Il y a plusieurs techniques de nage en rivière, notamment prendre sur ce genre de fleuve comme le Rhône le plus possible le centre du courant. C'est là qu'il y a le plus de courant, au centre du fleuve, et éviter les berges. Ouais. Bien sûr, disons que le centre est là où il y a le plus de courant. Et aussi, il y a une technique dans les virages donc, du fleuve à respecter, c'est-à-dire prendre l'extérieur parce que le courant est plus fort. Mais le fait qu'il n'y ait pas de ligne d'eau, ça ne pose pas un problème justement pour avoir une ligne correcte et avoir le chemin le plus court? Bah, c'est sûr que ici ce n'est pas le championnat du monde en piscine, et je crois que c'est la particularité du triathlon de nager en mer ou en lac et ici en peuple. Nous avons vu dans ce premier paquet Jan Damgaard, le Norvégien. C'est peut-être une des premières surprises de ce triathlon. Un triathlète que l'on connaît peu, qu'on a vu rarement. Je crois qu'il a remporté des triathlons, notamment le triathlon de Lanzarote cette année. Un triathlon qui était très important, et je crois qu'il ne faut pas... Ici, Volkert aussi, c'est une bonne surprise. Avec un style assez étrange, assez curieux. Je crois qu'il était un peu à la bagarre avec son voisin de côté. Et ça aussi, ça existe en triathlon. La lutte aussi est des fois très, très, très serrée. Au niveau des rythmes respiratoires, il y a une technique particulière? Oui, disons que ça, c'est... On emploie toutes les techniques des nageurs de pointe, l'entraînement également. Et je crois que la meilleure est celle de respirer tous les trois mouvements de bras. Et ça nous permet donc de regarder à la fois à droite et à la fois à gauche, donc pour s'orienter et puis aussi pour visualiser donc les concurrents. Il y a 9 minutes et demie de course et je crois qu'il y a déjà un peloton de tête. Yves ? Oui ? Un peloton et une grosse cassure, et Mark Allen est le dernier de ces 12 avec... Il est à la fin de ce premier groupe, emmené donc juste devant nous. Mark Allen qui ferme la marche de ce peloton, qui s'est échappé maintenant avec une vingtaine de mètres d'avance sur une autre partie des nageurs de ce triathlon. Mark Allen, donc bonnet blanc, deuxième vague qui reste au contact. Pardonnez-moi Thierry, mais la deuxième vague part, et cette deuxième vague concerne les meilleurs athlètes du monde. Ce sont les meilleures femmes du monde qui partent, toujours pour le titre officiel de championne du monde de triathlon. Et les favorites pour cette course seront les Américaines Hansen, Letty, Ripple, et puis Erin Baker, la néo-zélandaise. Viendra se joindre aussi Mandy Lin, une Allemande, et puis Simone Mortier, la championne d'Europe. Et peut-être quelques Françaises, comme Anne-Marie Rouchon. Ouais. Oui, c'est sûr. Catherine Jay-Devel aussi a fait 4e au championnat d'Europe. Donc on lui souhaite la meilleure des courses. À noter qu'en triathlon, les filles sortent en même temps que les premiers paquets de garçons lorsque la course est mélangée, lorsque le départ est mixte. Souvent des filles sortent de l'eau en 5e, 6e position. Marc, juste un petit pointage en ce qui concerne la course des hommes. À la capétinerie du port, le Manureva, Wells est passé en tête avec 32 secondes d'avance sur le 12e de ce premier peloton, qui n'est autre que Mark Allen. 32 secondes, cela représente un peu plus de 50 mètres, hein. La longueur d'un bassin. La tête avec toujours Wells, Greg. Non, plus du pont d'Avignon.
entendre un athlète qui n'est pas pour l'instant dans ce groupe, semble-t-il, dans ce groupe de tête. C'est Jürgen Zack, un autre athlète de l'équipe nationale allemande, qui est de très très bonne qualité puisqu'il était troisième sur le plan européen dans ces deux dernières années. I think I have a minute back after the swim to the leaders and I hope to reach the top at the bike. Si je n'ai qu'une minute de retard sur les meilleurs après la natation, je vais revenir pendant le vélo puisque c'est la plus forte de mes spécialités. La partie la plus difficile sera bien évidemment la course à pied puisqu'il fera très très chaud, mais comme je suis un bon coureur, j'espère pouvoir terminer dans les 5 meilleurs. 12 minutes 22 de course. Il y a des athlètes qui mènent dans cette course et qui ne seront peut-être pas en tête dans le parcours à vélo et non plus sur la ligne d'arrivée. Les athlètes sont sur des bases de 17 minutes 30 secondes environ. N'a pas été encore faite par un très bon nageur. Hier un nageur a mis 23 minutes, mais c'était un nageur modeste. C'était lors de la répétition générale de ce triathlon avec quelques triathlètes d'ailleurs. Qui gentiment est participé à cette répétition. Jean-Philippe en vue du pont d'Avignon, un premier groupe emmené par Wells, suivi maintenant par 8 autres nageurs, mais un petit groupe est décroché maintenant, dont Mark Allen, en compagnie de son compatriote Clark. Il lutte Mark Allen, mais il est en train d'être lâché. Mark Allen, peut-être assistons-nous à une surprise. Mark Allen est invaincu depuis le début de saison. Et c'est, je vous rappelle, la plus grande figure du triathlon. Thomas Kočar, tchécoslovaque. Des athlètes des pays de l'Est présents dans ce début de triathlon, dans cette course de natation. Et Richard Wells, nageur surpuissant. J'ai pu voir un entraînement de Richard Wells ces derniers jours et je crois que j'étais stupéfié parce qu'il a accomplissé des 50 mètres en moins de 30 secondes, départ toutes les 45 secondes, et je crois que beaucoup de nageurs ne sont pas capables de faire ça. Et croyez-moi que c'est un très très bon nageur et on peut être surpris de le voir peut-être aller beaucoup plus loin que la natation, Richard Wells. Ces athlètes sont excessivement complets, pris dans toutes les disciplines. Sachez que les meilleurs Américains sont capables. Alors que nous passons à la hauteur de ce pont d'Avignon, ce pont Saint-Bénézé, c'est son appellation exacte. Il a été construit par Saint-Bénézé entre 1177 et 1185. Il est long de 900 mètres. Et comme vous le constatez, ne subsiste que 4 arches sur les 22 d'origine. L'entrée de 30 francs. Exactement. Il n'y a pas d'aller. Non. Je suis passé dessous, mais pas dessus. Ah, une différence se fait et elle est quand même assez importante. Les écarts se sont creusés maintenant. Et à noter que Richard Wells a préféré passer sous la dernière arche de ce pont d'Avignon, passer en plein milieu du Rhône plutôt que de passer plus à droite. Très très bonne trajectoire. Je crois que tous les concurrents avaient bien repéré et il n'y a pas d'erreur. Mais il y a des petits trucs en natation lorsqu'on nage en paquet. Il faut savoir se glisser derrière le concurrent qui se précède. Il y a un petit espace, un peu comme l'aspiration en automobile. Oui, c'est ça. Il y a un petit espace favorable. Il y a un espace favorable et ça s'apprend. Et je crois que Richard Wells fait le travail un peu pour tout le monde. Mais avec son allure puissante, je crois qu'il arrive à égrener tout le monde derrière. Et le premier à subir les frais, je crois que ce sont les Américains Mark Allen, Mike Pigg. Et Clark, qui de Mark Allen avec maintenant 38 secondes de retard sur Wells, 32 secondes au moment de la passe du passage à la capitainerie, 38 secondes sous le pont d'Avignon. Nous filons vers le pont d'Aladier. Je pense que l'écart, s'il n'est pas supérieur à une minute, je crois que ça suffira encore à Mark Allen et aux autres de revenir.
Mark Allen qui est un redoutable finisseur, un excellent coureur à pied qui lors d'un triathlon a couru le marathon en 2h47, ce qui représente son meilleur temps. C'est-à-dire, pour donner un ordre de comparaison, Mark Allen, après 4 km de natation, 180 km de vélo, prend le départ d'un marathon style Paris sur 12 000 participants. Il termine, après les 4 km de natation, les 180 km de vélo, il termine dans les 50 premiers de l'épreuve. Richard Wells au ralenti avec cette caméra placée dans l'hélicoptère, l'hélicoptère qui n'était qu'à une vingtaine de mètres au-dessus de Richard Wells, qui alterne les respirations à droite et à gauche, parce qu'il faut également voir si des nageurs viennent à sa droite ou à sa gauche pour ne pas être surpris, comme cela arrive de temps en temps dans les finales olympiques. Lorsque les nageurs sont à l'extérieur, ils créent parfois la surprise par rapport aux nageurs qui se trouvent au milieu de ligne d'eau. 17 minutes et 27 secondes de course. Et quelques petites centaines de mètres pour le groupe emmené par Richard Wells. Brad Bevan est quatrième. L'Australien qui n'a que 20 ans et qui a gagné son premier triathlon à l'âge de 14 ans et qui est incontestablement le meilleur triathlète sur les longues distances. Il est beaucoup plus à l'aise sur des 6 ou 8 heures de course. Rappelons que le triathlon d'Hawaï, tout récemment remporté par Dave Scott, en 8 heures de course et en établissant une nouvelle meilleure performance mondiale. C'était un Ironman et il ne se courait pas à Hawaï celui-là. Et oui, Dave Scott a pulvérisé le record de l'épreuve, qui est un record officieux, puisqu'on ne court pas toujours, surtout un triathlon style Hawaï dans les mêmes conditions, 8 heures et 1 minute. Lorsque Dave Scott est descendu sous les 9 minutes, on pensait qu'on mettrait beaucoup, sous les 9 heures, ouais, pardon. On pensait que les triathlètes mettraient beaucoup de temps à battre ce record. Écart considérable entre donc ce groupe de tête, puis deux ou trois nageurs dans un deuxième groupe et derrière le peloton qui s'échelonne. À noter que tous les triathlètes de tête sont tous des professionnels. Puisque nous parlons de professionnels, sachez qu'il y a 600 000 francs de prix dans ce championnat du monde, que les 20 premiers chez les hommes recevront un prix qui s'échelonnera entre le premier pour le premier de 60 000 francs à 1260 francs pour le 20e, et chez les femmes, la première touchera également la même somme, 75 000 francs, mais ce seront seulement les 10 premières. La 10e touchant 7560 francs. Minutes et 27 secondes de course. Oui, je crois que là les 1750 mètres sont bien, et le fait qu'il n'y ait pas de courant, je crois que le temps sera supérieur à un temps normal. Les organisateurs avaient prévu 250 mètres de plus, en effet, puisque considéré qu'il y aurait encore un peu de courant, mais visiblement ce courant est nul, quoi. Oui, quasiment nul. Marc. Oui, Thierry. Au passage sous le pont d'Alavier, dans l'ordre, Wells en deuxième position, Coquart en troisième position, Cassidy en quatrième position, Bevan, suivent White, Cook, Cassidy, et maintenant très nettement détaché, Mark Allen. Yves, vous qui connaissez tous ces triathlètes, est-ce qu'il y a une surprise dans ce peloton de tête? Non, disons que tous les meilleurs nageurs sont dans le groupe de tête, manque peut-être Wolfgang Dietrich, mais bon, disons qu'il a encore le temps de se rattraper. Petite surprise quand même, Glenn Cook qui est quand même un nageur de la classe à Mark Allen, et là il se trouve avec les meilleurs, et je crois qu'on peut attendre beaucoup de lui puisqu'il roule très très bien sur le plat. À 200 mètres de l'arrivée maintenant, Wells toujours en tête. 200 mètres, environ 2 minutes 15 secondes. Et la tension monte ici près du parc à vélo. On a l'impression que Richard Wells a fait sa natation en accélération et il a égrené pratiquement tous les nageurs derrière lui. Retard pour Mark Allen qui va excéder la minute qui va être atteinte maintenant. Et Mark Allen n'est toujours pas passé, attention, top pour Mark Allen, 1 minute 6 secondes de retard sur Wells. Ah, cela devient un peu préoccupant pour le meilleur triathlète du monde, plus d'une minute déjà de retard et la natation n'est pas encore terminée.
On est en train peut-être d'assister à une surprise et les rebondissements risquent d'être nombreux dans ce championnat du monde. Mais dans la carrière de Marc Allen, le triathlète est rarement sorti de l'épreuve de natation en tête. Il a toujours terminé dans le deuxième ou troisième paquet de coureurs. Il est rarement sorti premier d'une épreuve de natation. Milliers d'Avignonnais se sont déplacés sur les bords du Rhône et tout au long du parcours. La ville est en fait, la ville sort juste du festival d'Avignon, du célèbre festival qui s'est déroulé du 12 juillet au 3 août. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de touristes qui avaient fait le déplacement pour ce festival de musique, d'art, de théâtre, ballet et autres chants et musique. À noter que le triathlon est composé de trois sports qui sont physiologiquement contradictoires. On n'a jamais demandé à un cycliste de pratiquer la natation, on leur interdit bien souvent de prendre des bains, comme on ne demande pas à un cycliste de participer à des courses à pied. Ce sont vraiment trois sports contradictoires sur le plan physiologique et musculaire. Les nageurs vont bientôt arriver. Pour reprendre leur vélo, on va écouter Philippe Métion qui nous explique comment faire lorsque l'on sort de l'eau pour retrouver sa bicyclette au milieu d'un parc à vélo. Bien, on doit être extrêmement minutieux avant le départ et repérer exactement les points fixes, c'est-à-dire un arbre, un feu rouge, quelque chose qui nous permette de nous orienter plus rapidement pour éviter de perdre du temps et se diriger tout de suite exactement à l'emplacement prévu. Philippe Métion qui n'est pas dans le groupe de tête, sur qui reposent les meilleures chances françaises. La France qui espère une place dans les 5 premières par équipe. Individuellement, Philippe Métion, s'il se situait dans les 20 premières places, réaliserait bien entendu une remarquable performance. Lui qui a été vice-champion d'Europe en 1987 et qui cette année a terminé 11e au dernier championnat d'Europe. Oui, c'est ça. Remporté oui. À Cascais au Portugal, c'était le 11 juin dernier. Cascais situé tout près de... Et Philippe me disait ce matin qu'il avait passé une excellente nuit et qu'il avait vécu sa course la nuit précédente, parce que tous les triathlètes vivent toujours lors de la nuit qui précède un triathlon, vivent et refont 100 fois le parcours, refont 100 fois le triathlon. Oui, je crois que là, le fait d'avoir vraiment coupé le courant fait que la natation est vraiment longue et je crois que ça peut donner un petit bouleversement pour la course, puisque les nageurs sont peut-être un peu plus avantagés, et notamment Richard Wells a beaucoup de chance et ça doit faire peut-être aller un peu Marc Allen. Jean-Philippe, vous aurez une surprise en découvrant le troisième nageur de cette première épreuve du triathlon. Lui, on ne l'a encore pas identifié. Il n'a pas de marque distinctive en tête. Wells devant Coquart, troisième X, quatrième Bevan. Rappelons qu'il y a les sélectionnés par nation et les autres qui ont été également sélectionnés mais qui ne courent pas sous les couleurs du pays. Alors, premier pour l'instant, Wells. 24 minutes 51 secondes pour Wells. Passe sous la douche pour un petit peu se nettoyer des impuretés du Rhône. Le Néo-Zélandais en tête. 51. Cinq concurrents sont un petit peu détachés. Glenn Cook, le meilleur anglais. L'Australien Nick Croft avec le 2.45. Oui. Ils ont 350 mètres à parcourir pour aller jusqu'au parc à vélo, se changer, prendre son vélo, puis partir pour les 40 km. Richard Wells se retourne, il est pour l'instant en tête. Suivent Nick Croft. Déjà 1 minute et 6 secondes de retard pour Marc Allen. Marc Allen n'est toujours pas passé. Il est là. Sorti de Marc Allen en 26 minutes et 14 secondes. Alors que Richard Wells va sortir en tête du parc à vélo. Oui,
Métion en 26 minutes 32. C'est très pas bon. Il est dans les 20 premiers pour l'instant, Philippe Métion. Premier français, il passe dans les 20 premiers. Rob Barrel. Marc Allen passe avec 2 minutes de retard. Mike Pig aussi, 2 minutes de retard. Darrell Blondel, Rob Barrel. Outsider de cette course avec Marc Allen ont plus de 2 minutes de retard sur les deux premiers. Kengla, 2 minutes aussi de retard. Le chronomètre à droite, c'est celui du départ, c'est pour celui qui mène la course, celui de gauche, c'est lorsqu'il est sorti de l'eau, il y a maintenant 2 minutes 46 secondes. Le dernier à être passé, c'est Jürgen Zak. Ah, des écarts déjà assez considérables et la course de vélo sera peut-être déjà décisive. Marc Allen va enfourcher sa bicyclette. Deux Français, Pascal Pétigny et Michel Gavet. Avec 3 minutes 15 secondes de retard sur Wells. Pas d'affolement chez Marc Allen, garçon très expérimenté qui a déjà maintenant 9 saisons de triathlon derrière lui. Laurent Bouquier. Très bonne natation pour lui. Pour l'instant, 4 Français sont dans les 50 premiers. Marc Allen sort du parc à vélo avec exactement 2 minutes 15 de retard. Il a également un petit peu perdu avec le temps dans le parc à vélo pour se changer avec Karel Blondel à 15 secondes. Le Belge Karel Blondel, l'un des meilleurs spécialistes européens. Les grands favoris de cette course sont pour l'instant entre 2 et 3 minutes de retard sur la tête de la course. Patrick Girard vient de passer 4 minutes 20 de retard. Champion de France en triple en titre, Patrick Girard. Je n'ai pas encore vu Philippe Métion sortir du parc à vélo. Il est sorti dans les 20 premiers avec 2 minutes 30 secondes de retard. Pardon. Marc Allen, dans cette position que vous avez peut-être découvert, dans cette position de cycliste chez Greg LeMond qui n'a fait que copier les triathlètes, les coudes posés sur le guidon pour se reposer les reins, le dos et également avoir surtout une meilleure pénétration dans l'air. On aura l'occasion d'en reparler sur des longues lignes droites et avec Yves d'analyser un petit peu la technique du triathlète, la technique du cycliste triathlète. Ces guidons dénommés Scott sont apparus dans le triathlon en 1987, c'était lors du triathlon d'Hawaï. McCarthy avec le dossard numéro 11 et une drôle de position sur sa machine. Très avancé. On découvre donc ce parcours de 40 km qui sera parallèle au Rhône dans sa première partie, puis il s'éloignera un petit peu, ira dans la campagne du Vaucluse, alors que Marc Allen et sa roue lenticulaire est dans une position également très avancée. Oui, cette position lui permet de mettre plus son poids vers l'avant et il est dit qu'on pédale mieux sur le plat avec un poids à l'avant et il pousse plus en arrière sur les pédales. Marc Allen va devoir mettre la gomme pour essayer de réduire son écart avec Richard Wells, excellent cycliste également Richard Wells, mais c'est vrai que sur l'épreuve de course à pied, Marc Allen a un léger avantage. Et il est capable de renverser toutes les situations.
Nous sommes avec la tête de la course, mais Laurent Bocquier vient de quitter le parc à vélo. Mais sachez qu'il y a encore de nombreux nageurs qui viennent juste de sortir de l'eau avec 6-7 minutes de retard. Les écarts seront considérables à l'arrivée. Jean-Philippe ? Oui Thierry. Pour l'instant, intéressant de noter que dans ce début d'épreuve cycliste, eh bien McCarthy utilise des développements beaucoup plus grands que ceux de Richard Wells qui lui mouline beaucoup plus. Beaucoup de triathlètes n'ont pas hésité à monter du 53-12, c'est-à-dire un plateau de 53 à l'avant et un pignon à l'arrière de 12 dents. Le fameux 53-12 que l'on retrouve dans les contre-la-montre. Ce qui permet d'avoir des développements de l'ordre de 11 mètres ou même parfois plus à chaque coup de pédale. S'il est bien entendu possible de faire un premier pointage et de faire le point sur la tête de la course pour savoir qui mène dans ce vélo. Je pense que c'est toujours Richard Wells. Richard Wells et McCarthy à quelques poignées de secondes. Il y a un point important à noter à propos de l'épreuve de cycliste, le règlement est identique au règlement du contre-la-montre dans les épreuves cyclistes traditionnelles, c'est-à-dire qu'il est interdit de rouler en paquet, de se coller à la roue du cycliste qui vous précède ou de s'abriter derrière une moto ou une voiture. C'est du contre-la-montre et c'est pour cette raison que les machines des triathlètes ont évolué aussi rapidement. Richard Wells. Et précision importante, en cas de crevaison, on ne change pas de vélo comme c'est le cas dans une course cycliste classique avec un directeur sportif derrière dans sa voiture. Les triathlètes doivent eux-mêmes changer de roue ou de chambre à air, mais généralement lorsqu'ils crèvent ou qu'ils ont un incident, ils abandonnent. Les deux concurrents vont arriver aux 35 km, il leur restera 35 km à parcourir dans quelques secondes. Les deux concurrents donc toujours ensemble, enfin dans la mesure où le veut le règlement, top 5 km de course dans cette partie cycliste pour les deux hommes de tête. On nous signale que Mike Pigg a rejoint Mark Allen et même dépassé Philippe Mettion. Mike Pigg, le meilleur cycliste de l'équipe américaine, qui a terminé troisième cette année au triathlon de Nice. Et Mike Pigg double Mark Allen. Mike Pigg, cycliste de très grande qualité, qui va d'ailleurs nous expliquer combien de secondes il a besoin pour éventuellement gagner ce championnat du monde, de la différence qu'il a besoin de faire dans le vélo pour battre Mark Allen. On écoute Mike Pigg. Le temps de le caler dans quelques instants. Mike Pigg, les mains très hautement placées. Mike Pigg a 24 ans. Anywhere between 30 seconds to 2 minutes would be nice. I'd like to, if the wind, if there's no wind tomorrow, I'd like to go 146. Si j'ai entre 30 secondes et 2 minutes d'avance, je pense que j'aurais gagné. Et si jamais il y avait un petit peu de vent, une minute et demie devrait suffire. À noter que Mike Pigg a déjà battu à la régulière sur des triathlons de catégorie A Mark Allen. Et vous remarquerez au passage que tout est fait pour la pénétration dans l'air. Le bidon est fixé à l'arrière de la selle. Mike Pigg, qui aura 25 ans en décembre, qui vient de Californie, qui a été élu triathlète de l'année en 1988, qui a gagné en cette année 88 15 courses sur les 20 auxquelles il a participé et qui cette année 89 reste sur 5 succès consécutifs. Peut-être l'homme le plus en forme et peut-être le successeur de Mark Allen dans les prochaines saisons, si ce n'est d'ailleurs peut-être dès cette année. Et toujours McCarthy en tête de la course, le triathlon est parti il y a exactement 35 minutes et 40 secondes. Alors que le classement par équipe est le suivant, à la sortie de l'eau, c'est pour l'instant l'Australie qui est championne du monde devant l'équipe nationale américaine. Mais reste encore le vélo et la course à pied, rien n'est joué. Le Néo-Zélandais Robert Hope qui a un problème, qui a crevé carrément dans le parc à vélo. Et voyez, il est obligé de changer son boyau tout seul, aucune assistance technique. Et les triathlètes disposent de petites bombes. Première féminine. S'il a perdu toutes ses chances dans l'épreuve individuelle. Alors que la première féminine est sortie. Vient de terminer l'épreuve de natation alors qu'elle était partie 10 minutes après les premiers. Après la vague des hommes.
Mandelin qui est sortie de l'eau, c'est une Allemande. Les premières féminines, bien entendu, les femmes ont exactement le même parcours que les hommes. C'est d'ailleurs l'une des rares disciplines sportives où les femmes et hommes concourent dans les mêmes conditions. Qui est maintenant en train de dépasser Philippe Métion, qui avait près d'une minute, un petit peu moins, qui avait 40 secondes d'avance sur cet Américain, qui est en train de faire une extraordinaire performance dans le parcours vélo. Philippe Métion qui résiste bien à l'Américain depuis 2-3 km déjà. Jean-Philippe, nous en sommes ici à 8 km de course et les deux coureurs de tête ont pour l'instant le vent de trois quarts face, ce qui explique peut-être un petit ralentissement de leur allure à tous les deux. Et le vent va être très important dans cette épreuve cycliste. Le parcours est rectiligne, sans aucune grosse difficulté, sinon deux petites côtes entre le 15e et le 20e kilomètre. Et attention au vent, attention au développement, l'épreuve de course à pied sera tout à l'heure très 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 difficile, avec en plus une température qui ne cesse de monter ici sur Avignon. Mandidine, la première de la compétition de natation de la première partie de ce championnat du monde, sort en tête. Un champion d'Europe vient de passer, Simone Mortier. Illustration des propos de Marc, interdiction formelle pour les cyclistes de prendre la roue du coureur qui est devant soi. On reste à une distance qui est au minimum de 2 mètres de large. Ils ont exactement 30 secondes pour dépasser le concurrent. Et si ils ne peuvent pas dépasser le concurrent de devant, ils sont obligés de s'écarter au minimum de 2 mètres de l'autre concurrent. C'est Jean-Philippe. Oui Thierry. Je ne vous reçois pas du tout. Ce que je peux vous dire, c'est que Marc Allen vient de passer à 32 km de l'arrivée. Et les deux hommes de tête, eux, viennent de passer à 31 km de l'arrivée. Donc 1 km de différence, environ 1 minute 15 secondes de différence entre les hommes de tête et Marc Allen, qui a donc par conséquent refait déjà une partie de son retard. Il avait, je vous rappelle, plus de 2 minutes de retard après la natation, 2 minutes 30 exactement. Un commissaire de course vient de faire une remarque à McCarthy. Il lui a demandé de s'écarter de Richard Wells. Jean-Philippe, oui, une bonne nouvelle certainement pour Yves Cordier, avec Philippe Métion qui se trouve dans le sillage de Marc Allen. Philippe Métion juste derrière Marc Allen. Philippe... Attention Thierry, top au 30e, à 30 km de l'arrivée de la course cycliste. Et c'est top que vous entendez, c'est simplement pour vous donner des pointages les plus exacts possibles que sont les deux Thierry sur les deux motos. Je vous rappelle que Philippe Métion était 13e à la sortie du Rhône et qu'il est toujours dans une position située dans les 10 premiers pour l'instant. Il est 13e. Marc Allen qui revient sur des cyclistes tout en puissance, sans affoler. Garçon longiligne d'1m84, qui est professionnel à temps complet et qui est une énorme star aux États-Unis. Et en France. Et en France, qui est la personnalité numéro 1 du triathlon. Richard Wells. Le néo-zélandais Richard Wells qui est sorti de l'eau avec 5 secondes d'avance sur Gareth McCarthy. Et qui a monté sur sa machine le même guidon que Greg LeMond. Un guidon devenu, grâce à l'Américain, célèbre partout.
mais qui était déjà utilisé depuis plusieurs saisons par les triathlètes. Depuis deux ans et demi. Philippe Métion, Tossard 129. Philippe Métion, qui a 25 ans depuis un mois, qui habite à Châtel-Malabry dans la banlieue sud, et qui n'est venu au triathlon qu'au début 85, il y a seulement 4 ans, et vraiment par hasard. C'est un touche-à-tout qui a fait beaucoup de cyclisme, qui a fait du judo, qui est un garçon très complet. 1 minute 40 de retard pour Marc Allen et pour Philippe Métion sur le leader. 1 minute 40. Il y a 42 minutes 20 secondes de course pour l'instant. Est-ce qu'une des deux motos pourrait nous faire un classement provisoire des 10 premiers à l'épreuve cycliste ? McCarthy devant lui, toujours Wells. Richard Wells qui a l'air de tirer un énorme braquet, mais je crois que pour l'instant il fait une très belle course, course idéale pour vouloir gagner. Le coup de pédale semble un petit peu plus lourd, plus heurté, mais non moins efficace tout de même. Oui, mais là je crois que les concurrents vont aborder la première difficulté, une côte. Oh, une crevaison. Jean-Philippe. Oui. Marc Allen et Philippe Métion sont maintenant tout de suite dans le sillage de Mike Pigg, qui est à une vingtaine de mètres devant eux. Ces trois-là vont certainement se regrouper dans quelques instants. Mike Pigg qui avait dépassé Marc Allen, alors que l'on était avec les poursuivants, pour se retrouver à la tête. On aura un regroupement et c'est tout à fait bénéfique pour Philippe Métion s'il se retrouve avec les deux meilleurs Américains qui lui serviront de locomotive, et peut-être qu'il y aura une belle surprise au bout pour le Parisien. Parcours roulant qui n'est peut-être pas très sélectif, mais qui nécessite la prise de gros braquets, d'être très puissant. Et c'est un magnifique parcours de contre-la-montre avec une route parfaite, rectiligne, mais qui comporte quand même ce qu'on appelle en jargon des bretelles d'autoroute, c'est-à-dire des petites côtes très sèches, un petit faux plat et ça redescend de l'autre côté. Des bretelles d'autoroute qui font très 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 mal aux jambes. Avec un gros travail des commissaires qui demandent aux coureurs de ne pas rouler en formation, de ne pas rouler en peloton. Les commissaires qui, à grands coups de sifflet, séparent tous les coureurs. Et à l'instant même, Marc Allen qui vient de prendre quelques longueurs d'avance sur Philippe Métion. Ça coince un petit peu pour Métion dans cette petite côte. Oui, Marc Allen semble beaucoup plus à l'aise qu'au début. Là, il mouline beaucoup plus et je crois qu'il devrait revenir un petit peu en avant sur Richard Wells. Ces ralentis nous sont proposés par Jean-Paul Jaude à la réalisation et toute l'équipe de la SFP. Il y a plus de 60 techniciens pour nous offrir cette couverture télé. Marc Allen qui s'est isolé dans un hôtel, qui a refusé de vivre avec la délégation américaine pour préparer dans les meilleures conditions son triathlon. Lorsque vous l'avez retrouvé, Marc, il était seul avec son coach, loin de la ville et des bruits. Et voici la première. Préparer dans les meilleures conditions possibles ce championnat du monde. Première bretelle autoroute. Et McCarthy est beaucoup plus véloce que Richard Wells. Nous arrivons donc autour du 15e kilomètre. La première difficulté, cette côte près de Châteauneuf de Gadagne. En tête,
est l'Américain Glenn McCarthy, suivi de Richard Wells, le Néo-Zélandais. Alors qu'il y a 46 minutes et des secondes de course. Richard Wells qui semble carrément coincé et qui se fait réprimander par un commissaire de course. Les commissaires, comme en football, distribuent des cartons jaunes et des cartons rouges si les consignes ne sont pas respectées, c'est-à-dire respecter le règlement du contre-la-montre. Les mains posées comme les mains positionnées comme un skieur, qui pratique de la descente pour une meilleure pénétration dans l'air. Oui, sans sûr. Installer la polémique, Yves, un athlète comme Bernard Hinault considère que cette position handicape parfois les cyclistes dans la mesure où elle les gêne pour respirer, alors bloque un petit peu la poitrine. Oui, il y a des on dit, bon, c'est Bernard Hinault et je crois qu'il apprend à essayer du temps où il faisait du vélo ce guidon. Et je peux vous dire que Greg LeMond ne dira pas le contraire. Ça donne un certain avantage et le fait d'avoir les bras en avant permet également à respirer correctement et aussi à mettre du poids vers l'avant. Il y a un autre point important, c'est qu'en triathlon, certaines épreuves cyclistes durent 180 km sur les parcours de type C, genre Hawaï. Et tenir un contre-la-montre et tenir la position traditionnelle du cycliste sur 180 km, c'est vraiment très très difficile. C'est une position qui épuise les reins et cette position-là, grâce à ses guidons Scott, permet de décontracter plus et de porter le poids sur les membres. Et Marc Allen refait lentement mais de manière très sûre et très sereine son retard. Remonte, vient de dépasser deux concurrents. Alors que nous serons bientôt à la mi-course de cette épreuve cycliste. Richard Wells entame la descente, une légère descente et après environ 1 km de plat, puis une deuxième montée. Course féminine, à noter la quatrième place à la sortie de l'eau pour la Française Valérie Chrétien, à seulement une minute de la Tchèque René Miliszkowski. Et nous allons bientôt traverser Châteauneuf-de-Gadagne. Oui, oui. Et l'Australie était première avant avec le bateau. Alors faisons un premier pointage au 10e kilomètre. C'était il y a quelques minutes, mais déjà on aura une position précise au 10e kilomètre. Était en tête, dans le même temps, Richard Wells et Gareth McCarthy se trouvaient en 3e position, l'anglais Glenn Cook à 36 secondes. Se trouvait ensuite le Tchèque Thomas Kossar à 40 secondes, puis l'Australien Nick Croft à 42 secondes. Brad Bevan, Australien, se trouvait à 1 minute 4, Mike Pigg à 1:06. Mark Allen se trouvait à plus de 2 minutes 10 secondes au 10e kilomètre. Et toujours Richard Wells et McCarthy, Jean-Philippe. Tête de ce triathlon. Oui Thierry. Nouveau pointage à 24 km de l'arrivée. Wells et McCarthy sont passés tous les deux ensemble à 55 secondes derrière. On trouvait Cook et à 1 minute 21 le groupe Mark Allen. Voilà les positions en tête de la course. Parfait, donc tout s'est éclairci, mais toujours en tête McCarthy et Wells et le retour d'Allen. Mark Allen qui a fait une très bonne première partie
de cette épreuve cycliste, puisqu'il revient à 1 minute 21 des deux leaders, alors qu'il avait plus de 2 minutes de retard à la sortie de la natation. On vous parlait de la qualité de nage de ces triathlètes, parlons de leur qualité cycliste. Nombreux d'entre eux seraient capables de participer à des épreuves internationales et de faire partie d'équipes. Oui, bien sûr, je crois. Tour dans le Tour de France, par exemple. Non pas faire le Tour de France, parce qu'il s'agit d'un métier, d'être cycliste professionnel. Mais je crois qu'en matière de contre-la-montre, bon nombre de triathlètes pourraient rivaliser avec de très très bons cyclistes. Et je crois qu'il y a déjà eu des références. Marcel Hoss, le Hollandais, Dossard 78. Change de vitesse, une petite descente, un virage. Ça permet un petit peu de relâcher le dos, de se soulager. McCarthy et Wells toujours au coude à coude. Là, c'est la deuxième côte. Beaucoup plus difficile que la première. Moment le plus difficile. Yves, vous avez reconnu le parcours. Cette deuxième côte peut jouer un rôle dans cette course vélo. Oui, bien sûr, puisque bon, en côte, les concurrents de derrière vont peut-être apercevoir les hommes de tête. Et je crois que si Marc Hélène est à 1 minute 21, comme la route est bien droite, il devrait apercevoir les deux concurrents et aussi la voiture de tête. Marc Hélène, effectivement, qui aperçoit de plus en plus de concurrents, et notamment Mike Pick qui est juste devant lui. Un bon point de mire pour cette côte assez sévère, notamment avec un petit vent qui vient de face. Les conditions sont tout de même moins difficiles qu'hier lors de la répétition. Le vent s'était levé et entraînait de grandes difficultés pour ces coureurs dans la montée. Il laissait beaucoup de force. Mike Pigg est un triathlète très fort en vélo et il aime bien aussi les montées, et je crois qu'il espère pouvoir reprendre beaucoup de terrain sur les deux hommes de tête. En tout cas, chose étonnante, hein, bien sûr, pas question de parler de la foule du Tour de France pour ce championnat du monde de triathlon, mais il y a quand même beaucoup de monde tout au long de la route. Et assez à notre grande surprise, Marc Hélène est reconnu. Les gens l'encouragent sur le bas-côté de la route. Marc Hélène, star aux États-Unis, peut-être également un petit peu star en France. Ce sont les poursuivants derrière Wells et McCarthy. Vous pouvez voir Mike Pick tirer dans cette côte un braquet de 52 et certainement 18. Précisons tout de même pour les non-initiés, 52 correspond à 52 dents. Oui, c'est le plateau avant, le plus grand, mais aussi le plus difficile à tirer. McCarthy qui accuse un peu le coup et qui se laisse décramponner dans cette deuxième difficulté du parcours. On a déjà passé la mi-parcours de l'épreuve cycliste. Je vous rappelle qu'il y a 40 km de vélo à faire dans ce triathlon de catégorie A. Et Richard Wells, ravitaillement en vélo. Vol. Autre détail, autre règlement dans le triathlon, il est interdit de se ravitailler en dehors des ravitaillements officiels. Il y a des ravitaillements au 14e kilomètre, au 21e kilomètre, une réglementation très stricte, très rigoureuse dans cette discipline. Et Cook qui vient de se faire reprendre par Mike Pigg et par Marc Hélène. Cook qui reste planté dans cette côte et qui laisse filer et Pigg et Marc Hélène. Et un premier point de ravitaillement, bien sûr, au sommet de cette côte. Marc Hélène est monté beaucoup plus souple que Mike Pigg. Et... je vous rappelle ce qu'a déclaré Mike Pigg. Il me faut entre 30 secondes et 2 minutes pour avoir une chance de devenir champion du monde, ou du moins de battre Marc Hélène. Pour l'instant, il n'a que quelques longueurs. Cela fait 4-5 secondes. Ce sera trop peu, bien entendu, si l'écart reste le même. Un Pigg qui en profite pour bien
pour bien s'aérer dans cette descente. Il a la bourche grande ouverte. Il cherche un petit peu sa respiration. L'effort a été intense dans la montée. Et Pig est un petit peu en train de récupérer. Même si vous vous en doutez, on ne s'amuse pas à plus de 60 km/h là, dans ce petit faux plat. Glenn Cook. Glenn Cook occupe donc la première place européenne. Curieuse façon de se mettre en danseuse avec ce guidon Scott. Il est très adroit parce que croyez-moi que c'est pas évident, facile. Hein. Mike Pigg sait qu'il a tout à gagner en mettant le paquet dans cette épreuve cycliste. Il est moins bon coureur que Mark Allen. Et il lui faut prendre un maximum de temps sur le favori de ce premier championnat du monde. Mais je vous rappelle que devant Mark Allen et Mike Pigg, il y a deux concurrents redoutables, Richard Wells et McCarthy. Voici Richard Wells. Qui après une heure de course est toujours en tête de ce championnat du monde. Il était en tête à la sortie du Rhône, il est en tête à la mi-course du vélo. Les premiers 20 km se sont déroulés à plus de 40 km/h, puisqu'il y a une demi-heure de course de vélo. Et on note que tous ces coureurs ont mis des roues lenticulaires. Les conditions de route permettent ce type de roue qui, lorsqu'elle est lancée, permet de redoutables performances. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les concurrents ne souffrent pas du vent, notamment du Mistral. Et je crois que c'est un énorme avantage d'avoir une roue lenticulaire, ce qui profite beaucoup plus et pénètre mieux dans l'air. Une roue lenticulaire, c'est une roue pleine, comme vous le voyez sur cette position de Richard Wells. Qui doit lui aussi prendre un maximum de temps sur Mark Allen. Mark Allen étant considéré comme le meilleur coureur à pied du circuit triathlon. Je pense que Richard Wells commence un peu à croire, non pas à la victoire, mais à une très 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 belle place. Et il est en forme. À propos de Mark Allen, le triathlète américain a battu cette année à Nice le record de l'épreuve course à pied sur le triathlon de Nice. On termine l'épreuve sur 32 km. Et Mark Allen est descendu sous l'heure 55, moins d'une heure 55 pour faire les 32 km à pied, ce qui représente le record de l'épreuve course à pied au triathlon de Nice. 32 km en moins d'une heure 55 après 4 km de natation et 120 km de vélo. Ceux qui courent le dimanche apprécieront la performance. Mike Pigg qui cherche à creuser l'écart sur Mark Allen. Peut-être a-t-il réussi à nouveau à distancer son compatriote. Mike Pigg, la bouche grande ouverte. Il donne le maximum sur cette épreuve. Il y a un petit passage à passer là. Quelques rails en travers de la route. Passage à niveau. Mike Pigg qui curieusement à l'origine était un nageur de qualité qui a fait les sélections US lorsqu'il était un spécialiste du dos pour les Jeux Olympiques de Montréal. Il avait 15 ans, il a fait les sélections US, sorti dès les séries, mais un spécialiste du 100 mètres et 200 mètres d'eau. Et puis en s'entraînant, en prenant de l'âge, c'est surtout devenu un redoutable rouleur. Et coureur. Jean-Philippe, oui. Wells en tête avec 3 secondes seulement d'avance sur McCarthy. Et on va établir bien entendu un pointage avec le groupe Mark Allen et Mike P. Et on vient de voir à 16 km de l'arrivée. Et on vient de voir une belle différence de pédalage entre Mike Pigg et Mark Allen. Mike Pigg qui amène un très très gros braquet.
Et Marc Allen, un braqué beaucoup plus souple, beaucoup moins important. On reconnaît là le coureur à pied, Marc Allen, qui se réserve quand même pour la troisième épreuve de ce triathlon, la course à pied, 10 km tout à l'heure autour d'Avignon. Avec une morphologie également différente, Mike Pigg mesure 1m76, il est plus râblé, plus puissant, très fort au niveau des jambes. Marc Allen est beaucoup plus longiligne. Richard Wells. Jean-Philippe, vous le voyez peut-être à l'écran, eh bien derrière Wells, McCarthy est en train de faire ce qu'on appelle en cyclisme l'accordéon, c'est-à-dire ou l'élastique, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de revenir, puis d'être à nouveau lâché. Il semble que Wells roule à un rythme beaucoup plus régulier que McCarthy. Et peut-être que McCarthy laissera des forces à force de faire justement cet accordéon. Jean-Philippe ! Oui, Jean-Philippe, oui, oui. Ça se joue en ce moment dans la course cycliste puisque Pigg vient de passer à 39 secondes de Wells. 39 secondes de Wells alors que Marc Allen lui est à 42 secondes du leader. Mais Pigg qui reste quand même en ligne de mire, en point de mire pour Marc Allen. Pigg qui involontairement va ramener Marc Allen en tête de la course. Un Pigg qui a porté son effort au-delà à partir du 20e kilomètre et qui maintenant... Top aux 15 km pour les deux coureurs. Les deux coureurs de tête viennent de passer donc aux 15 km. 15 km de l'arrivée de la course cycliste. Mais Pigg ne réussit toujours pas à distancer Marc Allen. Pigg est devenu beaucoup plus raisonnable pour Marc Allen et je crois qu'il revient de loin et ce sera encore très très dur parce que je crois qu'il a eu très peur et il revient, il a dû fournir beaucoup d'efforts. Nous sommes à Saint-Saturnin-les-Avignon, Wells et McCarthy sont passés avec 31 secondes d'avance sur Pigg et Marc Allen. Rappelez quand même que Marc Allen est sorti avec 2 minutes de retard sur Wells en natation. Beaucoup plus de minutes. Beaucoup plus. Ouais. Aux environs de 2,35. Attention également à Glenn Cook qui se trouve avec Allen et avec Pigg. Comme tout le monde le prévoyait, ce triathlon se jouera dans quelques instants sur les 10 km de l'épreuve de course à pied. Parcours plat, sans grosses difficultés. Ni Wells ni McCarthy n'ont pu faire la différence face à Marc Allen et Mike Pigg. Voici le classement donc. Alors Arsenal, c'est Wells donc et McCarthy en deuxième position. Et McCarthy qui change énormément de développement, il ne cesse de changer à l'arrière, passant alternativement du 13 au 14 et parfois même au 15, alors que juste devant lui, eh bien Wells lui s'est stabilisé sur, semble-t-il, un 13 dents à l'arrière. Oui, McPee qui a cherché dès le début de l'épreuve cycliste à accrocher Richard Wells. On l'a vu dès la première côte dépasser Richard Wells, lui mettre quelques longueurs d'avance et puis dans la deuxième côte, se laisser décramponner. Peut-être que là, McCarthy a commis l'erreur de trop vouloir s'accrocher à Richard Wells. Il aurait peut-être dû faire sa course. La situation dans le groupe de poursuivants, mené par Mike Pigg avec Marc Allen, avec également Stewart et avec Cook, les quatre hommes à la chasse des deux leaders, McCarthy et Wells. À moins peut-être maintenant d'une surprise, mais l'on peut établir que le champion du monde sera peut-être entre ces six premiers que sont Wells, McCarthy, Pigg, Allen, Stewart et Cook. Oui, trois Américains. Et puis on peut parler quand même que ce sont tous des très très bons coureurs, alors la lutte sera chaude. Et peut-être une arrivée au sprint, ce qui serait formidable pour une première. Vent légèrement de côté pour les deux hommes de tête dans ce passage qu'ils traversent actuellement et 45 km/h au compteur de la moto. Si on peut se fier aux impressions visuelles, attention Jean-Philippe, attention Yves, attention Marc, à Cook, le numéro 146, il est dangereux, il paraît très à l'aise et très très puissant. Glenn Cook qui est né en 1963, qui est anglais, il a été champion d'Europe du Half Ironman, c'est-à-dire la catégorie B en 1987.
moins de 2 km de natation, moins de 80 km vélo et moins de 25 km à pied. Et il a terminé quatrième d'une course mondiale au Canada à Kelowna en 1980. Stewart, un autre néo-zélandais, avec un casque bien profilé. Puis vous remarquerez que décidément les triathlètes ne respectent aucune tradition. Aucun de ces athlètes ne porte un cuissard pour cette épreuve cycliste. Tout le monde est en maillot de bain. Mais à force de s'entraîner plus de 500 km par semaine en vélo, on commence à avoir les fesses plutôt tannées et le port du cuissard n'est pas vraiment obligatoire. Au niveau de l'entraînement, Yves, il est indispensable que les triathlètes pratiquent les trois disciplines quotidiennement. Oui, c'est pratiquement le cas de tous les triathlètes. Au moins 5 à 6 fois par semaine, on pratique donc les trois sports tous les jours. Quel est le volume de travail ? Bon, disons que chacun a son entraînement, mais le volume de travail en moyenne pour les triathlètes qu'on voit ici, c'est environ 30 heures par semaine, et ça pendant pratiquement 10 à 11 mois dans l'année. Le groupe de poursuivants est dans Vauden. Et en tête de la course, Wells est repassé devant McCarthy. Et confirmation de ce qu'on disait tout à l'heure, il roule pour l'instant beaucoup plus facile que son adversaire Wells. Oui, beaucoup plus régulier que McCarthy qui décidément n'a pas arrêté de faire l'accordéon sur ses 30 premiers kilomètres de l'épreuve cycliste. Ah, il payera certainement ses efforts dans le parcours à pied. Et à noter que nous n'avons pas vu Rob Barrel, qui était un des favoris de l'épreuve également, et Karel Blondel, le Belge, qui au départ ce matin se sentait plutôt bien, plutôt en forme, et se sentait de faire aujourd'hui un podium pour ce premier championnat du monde de triathlon. La tête de la course, c'est l'illustration parfaite du règlement du triathlon, du règlement du contre-la-montre. Karel Blondel que l'on écoutera peut-être dans quelques instants, Karel Blondel qui nous expliquera que tout devrait se jouer justement dans la course à pied et que son favori serait Marc Allen, Karel Blondel le Belge. De grandes lignes droites qui vont favoriser en cette fin de parcours Mike Pigg et Marc Allen qui ne vont pas tarder à voir. Si ce n'est déjà fait en point de mire, en ligne de mire, les deux leaders de l'épreuve, Richard Wells et McCarthy. Il reste 12 km à parcourir, McCarthy toujours deuxième derrière Wells. Curieuse façon de pédaler pour McCarthy avec les pointes en avant. Attention, à 10 km d'arrivée, les deux hommes de tête vont passer. 10 km pour les deux hommes de tête, top! Plus que 10 km à parcourir à vélo. Alors que nous sommes partis depuis 1h09, déjà 18 secondes de retard pour Mike Pigg et Marc Allen au pointage des 10 km avant l'arrivée. Mike Pigg, bien en ligne sur sa machine. 34 secondes d'écart, 34 secondes d'écart entre les deux hommes de tête. Et Mike Pigg et Cook qui mènent la chasse juste devant Marc Allen et Stewart. 34 secondes d'écart. Et les deux hommes de tête qui ont repris la direction d'Avignon. Nous en sommes maintenant dans pratiquement la dernière ligne droite du parcours. Direction Avignon, plein champ pour Wells et McCarthy. Mais l'écart se stabilise entre Wells, McCarthy et Mike Pigg. Il était de 37 secondes, il est à 34 secondes. Attention. Au ralenti, Wells et McCarthy, qui pour l'une des rares fois dans ce parcours passent en tête. C'est sûr que Richard Wells est beaucoup plus constant que l'Américain, mais... Alors que justement, vous parlez tout à l'heure donc de l'épreuve de course à pied, on parlait de Karel Blondel qui est un petit peu la déception de cette épreuve et qui parle de la course à pied qui peut être décisive. On écoute le Belge, Karel Blondel.
le parcours à vélo, ça n'a pas tellement sélectif. Et je pense que comme un athlète comme Marc Alain, il va gagner dans la course à pied. Et pour l'instant, le parcours n'est peut-être pas très sélectif, mais au moins, ce sont 6 athlètes qui se sont détachés. Et c'est parmi ces 6 que sera le premier champion du monde de triathlon. Et c'est celui qui digérera le mieux ces 40 km de vélo accomplis à une moyenne peut-être supérieure à 50 km/h. Ou à peine inférieure à 50 km/h. Pour l'instant, nous en sommes presque à 50 km/h au compteur de la moto. Avec un vent latéral, le vent souffle de la droite. Yves Cordier, sur ces 6 hommes qui font pour l'instant l'épreuve cycliste en tête, quel est le meilleur coureur? Peut-on dire que Alain est de loin le meilleur? Moi, je crois qu'il est le meilleur, surtout cette saison. Toutes les courses à pied ont été impressionnantes. Et puis là, il est revenu quand même à un retard quand même raisonnable pour lui. Et c'est sûr que 40 secondes, c'est pas trop important en course à pied. Mais disons que Richard West, nous ne l'avons pas vu courir beaucoup de fois cette année, surtout sur cette distance. Et on peut être surpris. Ça sera, à mon avis, une course à pied très dure entre les 6 hommes. Marc Allen qui, lors d'une course, une course sur route à New York, le New York New York, c'est une course de 10 km, a réalisé un temps superbe de 30 minutes et 33 secondes sur 10 km, c'est-à-dire la distance qu'il va parcourir dans quelques instants. Jean-Philippe? Oui, oui. C'est important pour la première fois depuis le début de la course de cycliste. Marc Allen, Pig, Cook et Stewart ont en point de mire les deux leaders. Ils les voient là-bas, au loin, au bout de la ligne droite. Ils aperçoivent les motos, ils aperçoivent et McCarthy et Wells. Marc Allen aura fait une superbe remontée sur les 40 km à vélo, lui qui était parti avec plus de 2 minutes 30 de retard après l'épreuve de natation. Encore 7 km à parcourir pour les deux hommes de tête. Nous venons de passer devant le panneau des 7 km. Et le commissaire de course qui fait signe aux deux concurrents, qui fait signe aux deux concurrents de s'écarter et de respecter les consignes. Et toujours Wells et McCarthy en tête de ce premier championnat du monde de triathlon. Nous a rejoint Michel Maridet, maître d'œuvre de ce premier championnat du monde de triathlon. Michel, qu'est-ce que ça représente que de mettre sur pied un tel événement? Eh bien, ça représente 10 mois d'efforts incessants. Ça représente aujourd'hui 600 personnes bénévoles à l'organisation, un escadron de gendarmerie, deux compagnies de CRS, 200 pompiers, deux hélicoptères, un point médical avancé qui est un véritable hôpital de campagne. Ça représente des masses considérables d'efforts. Et derrière les athlètes, je crois qu'il y a 600 athlètes aujourd'hui, il y a 1200 personnes qui participent à l'organisation. Et pourquoi Avignon a été choisi pour ce premier championnat du monde de triathlon? Eh ben Marc, je crois que tu peux savoir toi pourquoi Avignon a été choisi autant que moi, puisque tu as participé, tu as eu l'occasion de participer dès les premières éditions du triathlon d'Avignon. Je crois qu'on a toujours voulu se comporter comme des professionnels en mettant les moyens nécessaires à la réalisation de cette opération. Et peut-être un classique, peut-être que le championnat du monde se déroulera chaque année en Avignon. C'est mon souhait le plus cher, mais je pense qu'il faut laisser la place aux autres pays. Merci beaucoup Michel. Retour sur la course. Richard Wells, McCarthy. Il reste un peu moins de 6 km. Oui Thierry. Confirmation de ce que nous disait Thierry sur la moto 2 tout à l'heure, lorsqu'il nous disait que le groupe de poursuivants avait les deux hommes de tête en point de mire. Eh bien lorsque Wells et McCarthy se retournent, effectivement, ils peuvent voir les motos et donc les vélos de leurs poursuivants. Juste derrière, ça doit faire à peu près, à vue de nez, je dirais 400 mètres, 500 mètres entre le groupe des poursuivants et les deux hommes de tête.
Le groupe de poursuivants qui roule maintenant à 3 de front avec Cook, Pig et Mark Allen sur une première ligne et Stewart légèrement décroché mais en position idéale, en position d'attente. Attention, top aux 5 km. Il reste donc 5 km à parcourir alors qu'au 30e kilomètre, le classement était le suivant. Wells, premier, McCarthy à 3 secondes, deuxième, Cook, troisième à 35 secondes. Pig, premier américain, Pig à 38 secondes en quatrième position. Mark Allen à 41 secondes, Stewart à 43. Et après, c'est le Suisse Inen à 1,59, le trou est fait. Et une donnée peut-être au capital, tous les coureurs, là, les deux hommes de tête et donc le groupe des poursuivants, ont le, maintenant le vent complètement de face. Et ce vent, croyez-moi, souffle très très fort. Et 32 secondes d'écart maintenant entre les deux leaders et le groupe de poursuivants, 32 secondes d'écart. Je pense que les concurrents, là, lors de ces 5 derniers kilomètres, n'auront pas à se reposer. C'est très important d'aller au bout jusqu'à l'arrivée donc, du parc à vélo à fond. Et 32 secondes, c'est encore assez important pour Richard Wells. Et ça serait dommage de les perdre bêtement. Et 5 km contre le vent, surtout à cet endroit de la course, où la route est complètement plate, rectiligne, sans aucun abri. Ces 5 km vont être très pénibles pour tous les concurrents. Il est fort probable que ces 6 concurrents vont se regrouper et partir pratiquement ensemble en course à pied. Un très beau final. Et Wells peine énormément, semble-t-il. Mais attention, parfois tout cela est trompeur. Alors que McCarthy le passe. Et c'est vrai que Wells a, semble-t-il, un gros trou de fatigue qui peut lui être fatal. Les deux hommes de tête viennent de passer il y a quelques secondes au panneau des 4 km. Et passage ici extrêmement difficile dans le vent avec des rafales de vent. Alors on essaye surtout de se protéger, de trouver le meilleur angle possible pour une meilleure pénétration dans l'air. Et des athlètes qui sont pour le moment déséquilibrés sur leur machine par les rafales de vent. Et encore une fois, le temps de changement va être capital. Il faudra perdre le moins de temps possible au changement. Allen a toujours en point de mire Pic qui n'est qu'à quelques longueurs devant lui. Cook en troisième position. Et vous avez vu sur le guidon de Mark Allen, deux molettes jaunes. Les sélecteurs de changement de vitesse qui sont à l'avant du grand guidon. Ce qui fait que pour changer de vitesse, les concurrents n'ont même plus besoin de lâcher leur guidon et porter la main sur le cadre là où traditionnellement se trouve ce sélecteur de changement de vitesse. Et ce sélecteur, ça s'appelle l'endroit, un grip shift. Bravo. 2 km 800 pour les deux hommes de tête. Ces derniers kilomètres face au vent. Non, laisse-moi caler, je verrai. Avec 6 concurrents qui se tiennent à 30 secondes, Wells, McCarthy, Pig, Allen, Cook et Stewart. McCarthy n'était resté que l'espace de quelques décamètres en avance sur Wells. Et vous venez de voir McCarthy s'abriter derrière une moto de commissaire. Attention au point de pénalité, aux avertissements. Et pour l'instant, Wells semble beaucoup plus facile, confirmation de tout ce qu'on a vu pendant cette épreuve cycliste. Il pédale beaucoup plus facile que McCarthy, mais les deux hommes devraient arriver à peu près ensemble. Alors que maintenant, dans une cinquantaine de mètres, nous allons arriver au panneau des 2 km. Attention, plus que quelques secondes et c'est McCarthy qui mène la danse. Top pour McCarthy au panneau des 2 km. Dans environ 3 minutes, ils auront terminé le parcours à vélo. Il y a 1h et 21 minutes que ce championnat du monde a démarré.
pas tarder à déboucher sur les allées de Loul. Avec un vent qui a joué de vilain tour au groupe de poursuivants, ils ont reperdu quelques secondes, 38 secondes de retard sur McCarthy et sur Wells pour les quatre poursuivants. Ces quatre poursuivants qui auront toujours eu un retard qui aura aussi entre 31 secondes et 41 secondes. C'était l'avantage quand même à ne pas négliger, et 40 secondes sur 10 km, il faut les reprendre. Et je crois que McCarthy a relancé Richard Wells, puisque bon, les concurrents stabilisent derrière et ça peut montrer un état de fraîcheur. Attention, top, dernier kilomètre de la course cycliste. McCartney, pardon, toujours en tête. Wells a quelques longueurs derrière. À moins d'une défaillance, le titre mondial par équipe sera pour les Américains qui ont trois, qui en ont trois dans les six premiers, alors que sont pris en compte, je vous rappelle, les trois premiers de chaque équipe. 41 secondes de retard pour les 4 poursuivants, 41 secondes de retard. Il faut dire qu'ici on a déjà pensé à la troisième épreuve, on s'est désaltéré, on s'est un petit peu nourri, on se relâche un petit peu, on s'étire pour se présenter dans les meilleures conditions possibles pour la course à pied. 40 secondes de retard ou 40 secondes d'avance pour Wells, c'est environ 300 mètres de course à pied. 300 mètres, c'est presque un tour d'un stade olympique, c'est une avance à ne pas négliger tout de même. Attention pour la fin de parcours. Et Mark Allen qui s'est trompé. Mark Allen qui a été induit en erreur par des commissaires qui voulaient faire dévier les motos. Mark Allen qui a perdu quelques longueurs sur les trois, sur ses trois coéquipiers, sur Mike Pick, sur Coupe et sur Stewart. Mais il revient très vite. Alors que l'on reste sur Mark Allen, mais dans le parc à vélo vont pénétrer Wells et McCarthy, plus exactement McCarthy qui a 7-8 secondes d'avance sur Wells. Les deux coureurs vont vite se charger, ils regardent derrière eux pour voir l'écart qu'ils ont sur leur poursuivant. Sachez bien entendu que les triathlètes ne savent jamais combien ils ont d'avance sur les gens qui sont derrière eux, les gens qui les poursuivent. C'est vraiment une course contre la montre sans aucune indication. Il faut aller le plus vite possible sans arrêt. Et ce temps de changement n'est absolument pas décompté dans l'épreuve. Le chronomètre continue de tourner. Et vous avez vu McCartney laisser carrément les chaussures fixées sur les pédales. McCartney qui va à son emplacement. 56 minutes, je pense, pour faire le parcours vélo. C'est un très bon temps. Pour se changer, il faut bien entendu mettre le moins de temps possible. Et là encore, sans s'affoler. Toute l'expérience, la sérénité de ces athlètes. Gareth McCarthy qui ne sait plus où aller. Wells dans la foulée. Et Mark Allen qui est sur l'air de changement. Qui change juste de chaussures. Qui n'a pas besoin de les lacer. Le système est automatique. Et Wells et McCarthy se retrouvent donc en tête. Wells est repassé devant l'Américain. Et le meilleur coureur du monde, le meilleur triathlète coureur du monde, Mark Allen, est parti. Alors que certains applaudissements timides sont pour certains nageurs pour les catégories d'âge les plus élevées qui viennent juste d'arriver après le parcours de natation. Après 1h20, ils ont parcouru les 1500 mètres. Il faut leur rendre hommage. 50 secondes pour Mark Allen de retard. 55 secondes à l'entrée du parc. Il a donc perdu plus de 15 secondes avec cette faute de commissaire qui l'a mal aiguillé. Wells qui a déjà creusé un petit peu l'écart sur McCarthy.
qui a fait un gros effort en vélo, qui a fait souvent l'accordéon et qui a peut-être laissé beaucoup de force dans l'épreuve précédente. McCarthy qui pour l'instant dans ce début de l'épreuve de course à pied pense essentiellement à s'alimenter semble-t-il. Vous le voyez, vous l'avez peut-être aperçu, il court avec un bidon dans la main gauche et il a beaucoup bu dès le début de cette épreuve. Mais là effectivement il se fait distancer, il a maintenant plus de 50 mètres de retard sur Wells. Et Mark Allen qui était sorti 6ème du parc fermé, et bien vient déjà de passer Mike Lee. Toute la puissance de Mark Allen qui fait l'effort dès le début de ces 10 km alors qu'il est sorti avec 52 secondes de retard sur les leaders. Mark Allen qui va peut-être réaliser un extraordinaire exploit dans cette course de 10 km. Ah, c'est une épreuve de sprint réellement que cette distance olympique, que ce triathlon olympique qui tournera autour de 2 heures ou un petit peu moins de 2 heures, et pourtant quels efforts dans la préparation pour ces athlètes tout de même assez exceptionnels. Wells et Mark Allen, deux styles de course totalement différents. Wells, la puissance. Il est en train de monter un pont, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il souffre, mais ça monte assez dur quand même. Et ça redescend de l'autre côté. Oui. C'est l'avantage des ponts. Glenn Cook est bien placé pour être le meilleur européen. Mark Allen qui est maintenant à une vingtaine de mètres de Cook et de Stewart. Ce qui correspond environ à 150 mètres. Et Wells, toujours en tête évidemment de la course, va passer dans maintenant une trentaine de mètres au panneau indiquant 9 km, 9 km encore à courir. Attention pour Wells, aux 9 km au top. Le premier kilomètre s'est fait en 3 minutes 30. Considérant qu'il y avait la montée du pont, c'est assez honnête. Et cette foulée caractéristique de Mark Allen, le style Mark Allen. Oui, il est rapide là. Superbe Miller, alors qu'il y a un abandon semble-t-il. Didier Volkaert, le Belge. Il a été pénalisé et comme le règlement est rigoureux et intransigeant, il ne portait pas de casque. Non, je pense qu'il a dû enlever son casque en rentrant dans le parc à vélo et c'est là que les policiers ont pu agir. Il l'a enlevé trop tôt, il faut l'enlever au dernier moment. Et voilà le résultat. Et c'est les disqualifiés. Jean-Philippe, oui. 40 secondes de retard pour Mark Allen, pour Cook, pour Stewart, sur le leader. 40 secondes seulement, alors qu'à la sortie du parc fermé, il comptait 52 secondes de retard. 12 secondes déjà. 12 secondes déjà de récupérer en 1 km. À ce rythme, bien entendu, il aura rattrapé Cook dans 5 km. Regardez la foulée de Mark Allen. Wells qui vient d'arriver sur les bords du Rhône, mais donc de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Il vient d'y parvenir après un petit passage ombrageux là sous les arbres qui lui a fait semble-t-il beaucoup de bien. Il faisait frais contrairement au reste sur la majeure partie du parcours. Et Wells toujours assez facile et en tout cas toujours à un rythme très régulier, vous le voyez sans doute. Rythme régulier alors qu'il est à un point d'épongeage. Il y en a au kilomètre, au troisième kilomètre, au sixième, au neuvième kilomètre. Il fait très chaud, hein. Je crois qu'on annonce tout à l'heure 40 degrés. Sur le bord du Rhône. Ouais. Oui, je crois que les ravitaillements sont les bienvenus. Et là, Richard Wells va quitter le bitume pour emprunter une portion de terre. Passage plutôt délicat, on risque toujours de se tordre les chevilles, de se faire une petite foulure. Il faut être très prudent. Mark Allen qui semble-t-il a rattrapé McCarthy. Et avec quelle facilité.
Seul Glenn Cook arrive à tenir un peu la foulée de Mark Allen. McCarthy en pleine défaillance qui vient donc d'être dépassé par Mark Allen et par Cook et par bientôt Stewart. Et bientôt Mark Allen aura en point de mire Wells. Et Wells qui va bientôt passer dans quelques secondes au panneau indiquant 8 km, encore quelques mètres pour Wells, stop, 8 km pour l'homme de tête. Mark Allen déchaîné. Il lui reste 8 km de course à pied pour faire son retard et doubler Richard Wells. Alors que nous sommes partis depuis 1h31min58s. Encore un triathlon qui se courra certainement en moins de 2 heures. Écart de 24 secondes entre les deux premiers, entre le leader et Mark Allen, 24 secondes. C'est-à-dire que Mark Allen a repris en 2,5 km, 3 km, près de 30 secondes à Richard Wells. J'ai chronométré Mark Allen dans les deux premiers kilomètres en 6 minutes 15. Temps remarquable. Sachez qu'avec un temps de 5 minutes 30 secondes, vous êtes un champion de France cadet sur un 2 km. Et 3,07 au kilomètre, c'est du moins de 2h40 au marathon. Largement en dessous de 2h40. Mais va-t-il tenir ce rythme avec cette chaleur et surtout avec l'effort qu'a dû fournir Mark Allen dans l'épreuve vélo, car je vous rappelle qu'à la sortie de la première épreuve, à la sortie de la natation, Mark Allen avait 2 minutes de 35 de retard sur Richard Wells. Et incontestablement, l'on peut découvrir la différence de style. Wells peut-être inquiet, obligé de se retourner. Les deux champions, pour l'instant, ne sont pas dans la même catégorie dans cette discipline de ces 10 km. Wells qui est en train de passer une partie du parcours qui ressemble au boss. Anne prépare le médaillon sur Allen. Médaillon sur Allen. Et oui, Richard Wells craint Mark Allen, il s'est déjà retourné, je crois qu'on voit toute la détresse. La course est en train de se jouer, nous ne sommes pas encore à mi-parcours de cette dernière épreuve, dernière partie de ce triathlon. Et Mark Allen s'envole certainement, sûrement même, vers ce premier titre de champion du monde. Jean-Philippe, oui. Mark Allen qui va faire la jonction et qui revient très très vite. Nous sommes ici à la hauteur de Wells et nous nous retournons et à peine 30 mètres, eh bien il y a Mark Allen qui a la foulée beaucoup plus légère et beaucoup plus décidée. Vous le voyez peut-être avec les caméras, il est maintenant à 30 mètres et il va théoriquement dans quelques secondes maintenant dépasser Wells sans aucun problème. La course est en train de se jouer. Wells va perdre cette première place et Mark Allen, à moins d'une défaillance, va s'envoler vers ce titre de Wells lorsque Mark Allen va venir le rejoindre. Peut-être Wells bluffe-t-il, mais d'après sa foulée, d'après les traits qui commencent à se tirer, c'est pas évident. Et je pense que Mark Allen va passer sans se retourner. Et on va écouter Mark Allen quelques heures avant ce départ du point de la course à pied. Et nous sommes à un point de ravitaillement, donc les deux visages. Et on constate effectivement la différence, on l'a vu au moment où il est passé à la hauteur de notre moto. Un air beaucoup plus dégagé, en tout cas beaucoup plus détendu et beaucoup moins marqué par la souffrance chez Mark Allen par rapport à son adversaire. Après 1h35 depuis le départ, Mark Allen vient donc de prendre le commandement. Et Richard Wells, 35 minutes. Et Richard Wells n'a même pas essayé de suivre Mark Allen. C'est vous dire si l'Américain est survolté. Mark Allen à la hauteur bientôt du panneau des 7 km. Attention, quelques mètres pour l'Américain. Top pour Mark Allen à la hauteur des 7 km et 5 secondes déjà, 5 ou même 6 secondes derrière lui, Wells qui se fait distancer irrémédiablement. Well, I think the race will be won on the run course. Unless somebody is able to get very je attends que le championnat du monde va se jouer sur la course à pied puisque le parcours cycliste n'est pas assez sélectif. So I think the race will be won on the course. Donc qu'il fasse chaud ou pas, la course à pied sera décisive. Et la course à pied est décisive. C'est indéniable maintenant où elle n'en reviendra plus. Peut-être espère-t-il maintenant une place sur le podium, ce qui serait remarquable pour ce néo-zélandais de 28 ans. Mark Allen vient d'Auckland.
Marc Allen qui est déjà venu trois fois ici à Avignon et trois fois il a gagné le triathlon d'Avignon. Et pour vous dire, la popularité partout sur le circuit de course à pied, il y a de grandes inscriptions à la peinture. Marc Allen, go, go. Le troisième, c'est le néo-zélandais Stuart Mice. Les deux néo-zélandais au deuxième et troisième place. C'est pas gagné par équipe pour les États-Unis. En troisième position, c'est Glenn Cook avec son numéro 115 qui se trouve à une trentaine de mètres seulement de Richard Wells. Richard Wells, dont je peux vous confirmer qu'il ne reviendra pas. Impossible pour lui de revenir sur Marc Allen. Foulée beaucoup trop rapide et beaucoup trop régulière de l'Américain par rapport au Néo-Zélandais. Quelle course extraordinaire de Marc Allen. Sorti avec 2 minutes 35 de retard sur Richard Wells à l'issue de la natation. Il est revenu à 55 secondes à l'issue du vélo. Et après 1h et 33 minutes de course, il a dépassé irrémédiablement le pauvre Richard Wells qui n'a même pas cherché à suivre la foulée et le rythme de Marc Allen. Attention, Richard Wells qui se tient le côté droit, qui est victime de petites défaillances par moment et qui doit arriver sur lui, Glenn Cook. C'est une fin de parcours terrible pour Richard Wells. Alors que Philippe Métion vient de nous rejoindre, à la surprise générale, Philippe Métion, vous venez d'abandonner. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe ? Mais écoutez, malheureusement, j'ai crevé au 15e kilomètre. J'étais en tête avec Mike Pig et puis Marc Allen. J'étais très bien, j'allais produire mon effort. Et puis, j'ai réparé rapidement mon boyau et comble de malchance. 5 km après, je recrève. Donc, deux crevaisons dans une course, ça fait trop. J'ai abandonné. C'est incroyable, roue avant, roue arrière. Non, deux fois la roue arrière, donc j'avais qu'un boyau arrière et j'ai pas pu faire autrement. Vous étiez bien parti là, Philippe. Et là, on vient de le voir, c'était le bon wagon, Marc Allen, Mike Pig. Marc Allen qui revient sur Richard Wells. Oui, bon, je sais pas si j'aurais pu tenir le rythme infernal de Marc Allen en course à pied, mais en tout cas en vélo, j'étais très bien et je pense que j'aurais pu arriver au moins en même temps qu'eux en vélo et après jouer ma carte pour peut-être une place dans les 5 premiers ou même un podium. Vous étiez 13e après l'adaptation dans les 10 premiers sur le vélo. Marc Allen. Nous sommes désolés. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Et ça y est, Glenn Cook qui vient de passer Richard Wells. Richard Wells qui donne une petite tape dans le dos de Cook qui prend la deuxième position pour le moment de ce triathlon. Et ça confirme bien que Richard Wells a donné son maximum dans l'épreuve vélo pour essayer de prendre le maximum de temps sur Marc Allen. C'était le tout pour le tout, il a peut-être perdu son pari. Et il est en train de perdre une place sur le podium. Et Marc Allen qui va virer dans cette épreuve de course à pied, qui consulte sa montre juste au moment où il fait ce qu'on appelle en américain, et lui il le sait, un U-turn, c'est-à-dire qu'il repart exactement en sens inverse. Et là il a regardé sa montre, c'est très intéressant parce que visiblement il calque son rythme sur un parcours préalablement défini, et visiblement il a tout lieu d'être satisfait pour l'instant. 31 secondes d'écart entre Glenn Cook et Richard Wells, et le leader actuel de l'épreuve, Marc Allen, 31 secondes d'écart. 31 secondes d'écart, quel professionnalisme, quel sérieux, quelle dimension chez Marc Allen, capable d'assurer un rythme et de s'imposer un rythme à l'entraînement et d'être capable de le réaliser en course, tout à fait exceptionnel. Et toujours aussi facile et toujours aussi souple, Marc Allen, qui fait suivi, qui fait quelques signes au poursuivant, puisqu'à cet endroit, les triathlètes se croisent. En quatrième position, Miles Stewart. Yves, est-ce que Marc Allen a déjà eu une défaillance dans la dernière épreuve ? A-t-il déjà craqué dans les derniers instants ? Ça lui est certainement arrivé. Jean-Philippe, en cinquième position, la défaillance de Marc Allen. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a quand même fort peu de chances pour que ça arrive parce qu'il nous fait des petits signes ici au moto. Et lorsque nous nous sommes portés à sa hauteur, il s'est retourné vers nous et il nous a fait signe avec le pouce que tout allait bien pour lui.
Non, là, il n'y a aucun problème. Je crois qu'il a, dépassé ses adversaires et maintenant, il contrôle la course. Et je crois que même si Glenn Cook arrivait à remonter sur lui, je crois qu'il n'aurait pas le talent pour le battre au sprint. Mais à propos de défaillance de Mark Allen, on a tous en mémoire et nous avons représenté ces images en début de reportage. Mark Allen, la défaillance, était à Nice en 1983. Un athlète complètement désarticulé qui a terminé les 500 derniers mètres de l'épreuve en marchant. Mais sur 10 km, il y a une chance sur 1000 que Mark Allen connaisse ce type de défaillance. Intéressant la bagarre entre Richard Wells et Cook pour cette deuxième place. On a cru à un moment que Wells était victime d'une grosse défaillance. Et bien le Néo-Zélandais s'est accroché et il est dans le sillage de Cook maintenant. Alors que dans le parc à vélo, avec le dossard 204, c'est la première femme et c'est Jan Ripple, l'américaine. Jan Ripple, l'américaine de 33 ans qui vient de Californie, qui a été une superbe nageuse dans les années 70-72, spécialiste du dos, qui est venue ici pour gagner. Et cette américaine fait partie des trois meilleurs triathlètes du monde. Erin Baker. Et la néo-zélandaise Erin Baker, ce sont les deux grandes favorites. On verra de manière cette fin de course chez les femmes qui sera tout aussi passionnante, n'en doutons pas. Erin Baker qui est devenue une excellente coureuse, si on peut employer ce genre de terme, enfin un excellent coureur. Erin Baker qui espère dans les années à venir délaisser le triathlon pour se lancer complètement dans le marathon. S'il te plaît, calme Jan Ripple, calme le médaillon sur Ripple. Erin Baker qui voudrait participer aux Jeux Olympiques de 1992 sur marathon. Jan Ripple que nous allons entendre pour nous expliquer les problèmes que pose parfois le fait de passer du vélo à la course à pied. Cette américaine de Sar 204. Definitely the hardest part of the triathlon is getting off the bike and running. En fait, la partie la plus difficile du triathlon est de descendre du vélo et de commencer à courir puisqu'on est fatigué forcément des différents efforts et notamment les changements de groupe de muscles qui travaillent dans différentes compétitions. Et oui, vélo, course à pied, deux sports encore physiologiquement contradictoires. Épreuve musculaire, le vélo, épreuve de souplesse, la course à pied. Et là encore, nous allons avoir une belle bagarre sur ces 10 km de course à pied entre l'américaine et Erin Baker. Marc, oui, Thierry. 43 secondes d'écart entre Mark Allen et les deux poursuivants, Richard Wells et Cook. Et il y a 5 minutes, il y avait 31 secondes d'écart. L'écart se creuse. Mark Allen s'envole définitivement vers ce titre de champion du monde. Le but est un petit peu plus hautain, plus sûr de lui. Il est incontestablement le meilleur triathlète du monde et un grand spécialiste à la fois des courtes distances et des longues distances, ce qui est exceptionnel. Oui, c'est sûr qu'il domine tout le monde et je crois qu'il mérite bien son titre de champion du monde, le premier. Bravo Mark Allen. Il y a quand même un mystère Mark Allen, ce triathlète américain n'a jamais gagné Hawaï, pourtant il a participé à plusieurs reprises à ce triathlon de légende le plus beau du monde, et jamais Mark Allen n'a gagné ce triathlon. Il a même connu des défaillances extraordinaires comme en 1987, écroulement total, Mark Allen a fait 8 jours d'hôpital, hémorragie interne en pleine course à pied. Il y a aussi un autre grand monsieur, je crois que c'est Dave Scott qui est pas ici, mais je crois que c'est le spécialiste de l'Ironman d'Hawaï. Il a gagné 6 fois et il se prépare très fort encore pour celui de cette année. Et ça sera encore une très très belle lutte entre Mark Allen et Dave Scott. 1 seconde d'avance sur Wells, Cook et 1 minute 17 sur Stewart. Mike Pig a complètement disparu. Ainsi que l'autre américain McCarthy. Décidément, ce parcours vélo que l'on disait absolument pas sélectif a fait beaucoup de dégâts parmi les 6 meilleurs triathlètes. Marc, attention, panneau des 4 km en vue pour Mark Allen qui va passer devant tout de suite. Top! Et au ravitaillement, donc top 4 km pour Mark Allen à parcourir encore dans ce championnat du monde. À moins
besoin d'une grosse défaillance. Le premier champion du monde officiel de triathlon sera l'Américain Mark Allen. Et je crois que l'épreuve d'aujourd'hui ici à Avignon a été la plus belle des démonstrations, à la fois que ce sport est télégénique et que ces athlètes sont de véritables athlètes capables de véritables exploits. L'intérêt réside aussi dans le fait qu'en 5-6 ans, il a connu une véritable révolution et que les athlètes n'arrivent plus dans des états désastreux comme c'était le cas, où il y avait tout de même une certaine mauvaise image de ce sport qui faisait trop de dégâts. La préparation aujourd'hui est rigoureuse, sérieuse comme un athlète de haut niveau, puisque c'est du sport de très haut niveau. 58 secondes d'écart entre Mark Allen et Richard Wells et Glenn Cook. 58 secondes d'écart. Incontestable pour que un concurrent veuille gagner avant Mark Allen, il faut beaucoup de temps avant la fin du vélo, parce que je crois qu'il domine la course à pied, c'est impressionnant. C'est véritablement une magnifique course que nous a offert Mark Allen. Mark Allen qui aura 31 ans au mois de décembre et qui vit à Cardiff en Californie. Et qui après ce championnat du monde se préparera tout spécialement pour Hawaï 1989 avec ce rêve après lequel il court depuis des années, gagner l'Ironman. Mark Allen, un des meilleurs triathlètes du monde qui n'a jamais gagné cette épreuve. Rob Barrel est revenu en 7e position. Pareil. Classement pour voir Pig était à 2 minutes 8 au 5e kilomètre. McCarthy à 2,44 et Barrel à 3 minutes 6 secondes. Barrel le meilleur européen. Derrière Yves Cordier cette année. Derrière Yves Cordier, puisque Yves l'a battu au championnat d'Europe. Mais Barrel avait remporté les 5 dernières éditions. Cet Hollandais de 31 ans. On aura vu cet Hollandais, Rob Barrel. Dans les 5 derniers kilomètres de course à pied, Rob Barrel totalement absent sur les deux premières épreuves. C'est dommage, il aurait pu se mêler à la lutte et pouvoir disputer un podium. Nous suivons en ce moment Miles Stewart, qui est pour le moment quatrième de ce championnat du monde de triathlon, à quelques 40 secondes des deux poursuivants, à savoir de Richard Wells, bien sûr, et de Glenn Cook. 40 secondes de retard sur le deuxième et le troisième de ce triathlon pour Miles Stewart. Et Mark Allen qui va reprendre le pont en sens inverse. Mark Allen qui a déjà repris le parcours effectivement en sens inverse et qui dans quelques secondes va passer à la hauteur du panneau des 3 km. Attention, stop, 3 km pour Mark Allen qui a en vue maintenant le palais des papes. Les 3 derniers kilomètres dans un décor superbe dans les petites rues d'Avignon. 23 minutes pour faire les 7 km, c'est très beau. 23 minutes pour 7 km, les coureurs apprécieront. Il a incontestablement une foulée de spécialistes de fond, presque d'ailleurs même une foulée de Miller. Il est grand, longiligne, et il est capable de creuser des écarts étonnants en très peu de temps. Pourtant, je crois qu'il a dû avoir très peur au départ après la natation, parce qu'il était quand même en situation très dur, puisqu'il était à 2 minutes et je crois qu'au début du vélo il n'était pas très très bien, et McPig et Mark Allen ont fait un deuxième parcours de vélo beaucoup plus rapide que les deux premiers. Pig et Richard Wells qui auront tout donné dans cette épreuve de vélo, tout comme McCartney dans un seul but de distancer au maximum Mark Allen, redoutable finisseur, redoutable coureur à pied Mark Allen qui va rentrer dans la Cité des Papes. Mark Allen. Non, c'est impossible de perdre parce qu'il y a tellement de public, on sent pas les jambes, ça va très vite dans les petites rues. Attention, petit secteur pavé. Ce sont des moments euphoriques. Mark Allen qui vient de passer par l'une des 12 portes qu'entoure la ville d'Avignon, ces fameux remparts.
qui ont été percés entre 1353 et 1370 et qui bien sûr ont reçu 7 papes, d'où la cité des papes, 7 papes qui résidaient en Avignon au 14e siècle. Et le 8e en 1989, Marc Allen. Il doit faire très très chaud parce qu'il néglige aucun ravitaillement, même à 2 km de l'arrivée. Et je crois qu'on risque de voir quelques défaillances de déshydratation à l'arrivée. Marc Allen dans la vieille ville d'Avignon qui vient de vivre un moment extraordinaire, complètement porté par le public. Le public qui, vous le voyez, lui a donné une casquette et lui a passé également des éponges pour qu'il se rafraîchisse. Attention, ce n'est pas le public qui tend les éponges, ce sont des épongeages officiels. Sinon, bien sûr, il serait disqualifié. Totalement. Il ne peut recevoir aucune aide extérieure. Attention, sur la ligne d'arrivée. Qui vient de laisser Richard Wells à une dizaine de mètres. Cook pour le moment deuxième. Donc il faut maintenant, bien sûr. Je crois que c'est là qu'il fallait attaquer et on voyait que Glenn Cook se réservait pour l'arrivée dans les villes et je crois que là maintenant Richard Wells ne pense plus à cette deuxième place. Et Wells est Glenn Cook sera certainement vice-champion du monde et c'est très très bien pour l'Europe. Et Wells est au bout du rouleau, la preuve, il n'arrête plus de se retourner. 2 km dans quelques secondes pour Marc Allen, à 2 km du sacre. Marc Allen qui voilà top, passe à la hauteur du panneau des 2 km. Marc Allen. Encore un petit secteur pavé avant d'attaquer la grande rue, la longue rue de la République. Marc Allen craignait un petit peu des petites nations un peu méconnues au plan international et des athlètes qui pourraient se réveiller. Il s'avère que c'est impossible. Il faut par conséquent une habitude du haut niveau. On ne peut pas se réveiller, il n'y a pas de génération spontanée. Non, je crois que de toute façon, même si on s'entraînait dans un endroit totalement méconnu comme des pays comme les îles Vierges ou autres, je crois qu'il faut courir avec le plateau international et je crois qu'on le vérifie aujourd'hui, il n'y a aucune surprise, les meilleurs sont en tête. Le monde entier pratique le triathlon, bien sûr la nation numéro 1 c'est les États-Unis avec 300 000 triathlètes, des dizaines de milliers de compétitions annuelles, un circuit pro sponsorisé par la bière Budweiser. Bref, tout un système bien organisé depuis 10 ans. En France, il y a 8884 licenciés au dernier recensement, dont 8% de femmes. 380 clubs en France. La France, progressivement, grandit. Mais pour l'instant, les Américains sont numéro 1. Et le numéro 1, c'est Marc Allen. Et une fédération en France qui va voir le jour dans quelques semaines. Ce sera la Fédération Française de Tri qui remplacera la première association qui a géré le triathlon. C'était le CONADÉ. Le CONADÉ, après 7 ans de bons et loyaux services au triathlon, va devenir la première fédération française de tri de triathlon. 1h53 minutes 55 secondes de course. Les trois premiers seront certainement en dessous des 2h. Le premier, c'est certain, peut-être les trois premiers. 1 minute et 15 secondes d'écart entre Marc Allen et Glenn Cook qui est en deuxième position. Et à une trentaine de mètres derrière Glenn Cook, eh bien on retrouve Richard Wells. Qui va peut-être conserver sa place sur le podium. Et voici la rue de la République en Avignon. Et tout au bout, la cité des papes. Fantastique succès populaire que ce triathlon en Avignon. C'est la première fois que nous voyons Marc Allen se retourner, il peut être confiant. Marc Allen est capable de tels écarts dans la course à pied qu'il faut réellement une très significative avance dans les parcours précédents pour arriver avec un maximum de sécurité. Je crois que tous les athlètes l'ont dit dans
les interviews avant-hier et hier, et il fallait entre 30 et 2 minutes d'avance, et je crois que même là il fallait même plus, puisque il est parti avec près de 1 minute de retard et il va arriver certainement avec près de 1:30 d'avance. Attention, Marc Allen au panneau du dernier kilomètre, top, plus que 1000 mètres pour Marc Allen à parcourir. Marc Allen qui vient de se ravitailler pour la dernière fois. C'est une descente et donc environ 3 minutes pour parcourir ce dernier kilomètre. Il est important de signaler que Marc Allen n'a négligé aucun ravitaillement. À chacun de ses ravitaillements, il a pris au moins 2 gobelets d'eau. Il faut dire qu'il fait très très chaud ici à Avignon tout à l'heure sur les bords du Rhône, plus de 40 degrés. Il va sortir bientôt des remparts et se présenter sur l'arrivée finale. Voilà, il sort des remparts. 500 mètres pour Marc Allen. Tous les photographes et un très nombreux public ainsi que les journalistes, il y a plus de 100 journalistes accrédités pour ce premier championnat du monde, se sont donné rendez-vous sur cette ligne d'arrivée. Une finale, un cadre digne du marathon de New York. On attendait plus de 40 000 personnes tout au long du parcours de ce premier championnat du monde de triathlon. Il n'est jamais sûr des renseignements qu'on lui donne, il se retourne, mais je crois qu'il n'a rien à craindre. Marc Allen qui va être dans quelques instants, dans quelques centaines de mètres, le premier champion du monde officiel de triathlon. Il y a eu beaucoup de triathlons qui officieusement s'appelaient championnat du monde, mais là, rien de tel. Il est reconnu par le CIO, par la toute récente fédération internationale. Et c'est une date importante pour le triathlon que ce 6 août 1989. Il faut dire que le triathlon, la fédération internationale de triathlon, est entrée au sein de la fédération du pentathlon moderne, sport reconnu olympique, sport olympique. Et donc peut-être 1996, l'an 2000 ou plus tard, le triathlon sera sport olympique. Il sera peut-être sport de démonstration en 92. Dans tous les cas, à la fin de ce millénaire, vous verrez aux Jeux Olympiques de manière officielle le triathlon sous cette forme donc du catégorie à la distance olympique, alors que Marc Allen est dans cette ligne droite tout au bout à quelques 400-500 mètres, peut-être moins me semble-t-il. Oui, oui, beaucoup moins, 200 mètres. Hein. Et il aura couru ses 10 km en moins de 34 minutes, Marc Allen. Après 1 km 5 de natation, 40 km vélo, moins de 34 minutes sur 10 km à pied. Performance tout à fait extraordinaire de ce premier champion du monde officiel de triathlon, Marc Allen. Ovation formidable pour cet Américain qui est peut-être au bout de sa carrière sportive. Il aura encore un ou deux ans au plus haut niveau, mais il est certain que plus belle carrière sont maintenant derrière lui. Fantastique champion de 31 ans qui devient le premier champion du monde officiel de triathlon. Marc Allen, grand favori, qui comme prévu, après avoir eu très peur durant les parcours de natation et de vélo, remporte le championnat. Maintenant l'écart sur les suivants, car la course est loin d'être terminée pour les places d'honneur. Il y a 23 secondes, Marc Allen est arrivé. Glenn Cook. Il a mis 33 minutes pour courir, s'il était parti 50 secondes. L'anglais Glenn Cook, deuxième de ce championnat. Glenn Cook qui aura fait lui aussi une course très intelligente, il a calqué le parcours vélo sur celui de Marc Allen et a ensuite laissé sur place Richard Wells qui a tout donné sur les 40 km de vélo, sur le kilomètre 700 de natation. Et cet athlète de 26 ans qui vient de Devon et qui a terminé deuxième au championnat d'Europe dans un triathlon B en 87 va devenir vice-champion du monde et le premier européen de ce premier championnat du monde. Glenn Cook, deuxième. Follement heureux, félicité par Marc Allen. Après d'une minute, Glenn Cook que l'on n'attendait pas en si bonne place. Ah, c'est la surprise. Marc
How did you feel during this race? The swim, I didn't feel so good. The bike started to pick it up, and the run, I felt really good the first half. Je me suis pas très bien senti pendant la natation, par contre au niveau du cyclisme c'est vite redevenu. Et la deuxième partie de la course à pied de cyclisme était difficile, ensuite je suis bien revenu au niveau de la course à pied. Et là j'ai pu, toujours en ayant un petit peu peur quand même, reprendre la tête de la course. Did you worry when you were late after the swimming? Yeah, I was, because there were some really good athletes ahead of me. J'ai eu assez peur quand je me suis retrouvé loin au niveau de la natation, parce qu'il y avait de très bons athlètes devant moi, notamment Richard Wells et Cook. I was able to slowly catch everyone except Rick Wells. Et ensuite, il fallait que je revienne tranquillement à mon rythme sur tout le monde pour pouvoir gagner. When did you really know you were winning? When I hit the turnaround of the run, I had about 35 seconds on Glenn, and I felt like I just maintained, I could win. Quand j'ai vu que j'avais 35 secondes d'avance en course à pied sur Glenn, là je me suis dit normalement j'ai gagné. Was it important for you to win the first championship, world championship? This is definitely one of the biggest races of my entire 8 years of triathlon. C'est réellement une des plus belles courses que j'ai fait depuis que j'ai fait du triathlon. This is the race that will get our sport into the Olympics. Je me suis complètement préparé, j'espère que ce sport sera un sport olympique et j'espère faire de tout mon mieux pour aider ce sport à devenir olympique. Troisième, Richard Wells, vous avez vu, dépité, complètement déçu, lui qui a tout donné en natation, lui qui a tout donné en vélo. Mike Stewart en quatrième position, deux néo-zélandais. Et Rob Barrel qui arrive cinquième, Rob Barrel qu'on n'a pas vu de toute cette course. Rob Barrel, vice-champion d'Europe derrière Yves Cordier, qui nous a beaucoup aidé pour les commentaires de ce triathlon. Marc ? Oui Thierry ? Avec Glenn Cook, le second de ce championnat du monde de triathlon. Congratulations Glenn. Thank you very much. Are you disappointed by this second place? I'm very happy. Very happy indeed. I train all season for this race in particular. Je suis très content de terminer deuxième. Je me suis entraîné très spécifiquement pour cette course. C'est vraiment très heureux. It would have been nice to win, but évidemment, ça aurait été bien de gagner. For me, I gave my best performance today, and j'ai fait vraiment tout mon possible pour. Je suis vraiment très content d'être second. Mark Allen is too strong for the other triathletes. Today, yes, this year he's been very, very good, and I think coming into the run, he must have been very confident. Aujourd'hui, en fait, toute l'année, il est vraiment au-dessus du lot. He snapped his authority on the run. La course à pied, il est vraiment trop fort, et là, il n'y a absolument rien à faire contre lui. And after that, he chased hard, but there was, in case he tired, but he was strong all the way. Thank you, Glenn. Okay, thanks. Ces traductions simultanées que vous entendez sont réalisées par Bruno Oppenheim du service des sports. Le classement pour l'instant des 6 premiers dans ce premier championnat du monde. Alors que Karel Blondel arrive en 8e position. 7e. Alors le classement, on va faire en deuxième, premier et champion du monde, Mark Allen. Deuxième, Glenn Cook, l'anglais. Troisième, Richard Wells, néo-zélandais. Quatrième, néo-zélandais également, Miles Stewart. Australien, je pense. Cinquième position, Rob Barrel, hollandais, deuxième européen de ce championnat du monde. Sixième, Brad Bevan, néo-zélandais. Déception pour Brad Bevan. Septième position, Karel Blondel. Karel Blondel, justement, comment l'avez-vous trouvé ce parcours? C'est très dur. Surtout en course à pied avec le soleil aujourd'hui, c'était énormément dur. Vous attendiez à la victoire de Mark Allen? Je pense qu'il a gagné. Il a gagné? Oui, il a gagné. Oui, je pense. Il m'a dit hier et c'est vraiment fabuleux. Quelle était selon vous la partie la plus difficile de ce championnat du monde? Je pense que c'est pour tout le monde la course à pied parce qu'avec le soleil aujourd'hui et ça à la fin de la course et toutes les réserves sont perdues. Le course à pied c'est vraiment un coup de morale. Merci Karel. Dès les premières reconnaissances du parcours vélo, tous les triathlètes disaient attention la course à pied. C'est là que se fera la décision et finalement personne ne s'était trompé. Alors que vous avez vu tout à l'heure la tête de la course féminine, Erin Baker, sans surprise, a pris la tête de l'épreuve. Erin Baker, la néo-zélandaise. Alors qu'arrive McCarthy qui aura littéralement craqué dans cette course à pied qui va terminer dans les 15 premiers. Et chez les femmes, on retrouve Jan Ripple qui était en tête après le vélo. Le titre se jouera certainement entre Erin. Et à noter que entre Erin Baker et Jan Ripple. Et à noter au passage que ces deux concurrentes parties 10 minutes après les hommes ont rattrapé des hommes qui couraient dans l'épreuve du championnat du monde. Elles sont parties, je le rappelle, 10 minutes après ces hommes.
Le classement par équipe devrait permettre à la Néo-Zélande, à la Nouvelle-Zélande, pardon, de devenir championne du monde, puisque les Néo-Zélandais placent 3 de leurs athlètes dans les 6 premiers, à la 3e place, à la 4e et à la 6e. Mais attention, tout cela est officieux. Et encore une image qui va rentrer dans l'histoire du triathlon, le premier champion du monde de triathlon, officiel bien sûr, Mark Allen, vainqueur ici à Avignon. Voici les 7 premiers de l'épreuve, donc premier Mark Allen, le grandissime favori, deuxième l'anglais Cook, troisième Richard Wells qui s'est totalement effondré, je vais y arriver pendant la course à pied, quatrième Stewart, cinquième Barrel, sixième Bevan et septième l'américain Pig. Petit rectificatif, je me suis avancé un peu prématurément, mais l'Australien Miles Stewart à la quatrième position n'est pas néo-zélandais comme je l'avais annoncé par erreur, et donc le plus jeune des concurrents, l'un des plus jeunes favoris, 18 ans, Miles Stewart est quatrième, mais il est australien. Alors qu'est arrivé il y a quelques secondes le premier français, Patrick Girard, français. C'est terrible ce triathlon par cette chaleur. Ouais, c'est terrible. Et puis oui, cette natation qui était longue, là, des coups qu'on a pris sur la figure. Et puis c'était à fond tout le temps. Là. Pourquoi la natation? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au départ que pour garder les meilleures places, on s'est battu. Et oui, parce qu'on avait une aire de départ assez étroite. Ce qui fait que dès que c'est parti, c'était la catastrophe. Tout le monde s'est jeté les uns sur les autres. Moi, bon, il a failli se faire sa place. Puis après, il a fallu tenir la pression tout le long. Voilà. Et alors, au niveau de la chaleur, la course à pied, 10 km, bien sûr tout le monde disait tout est plat, c'est un parcours facile, mais finalement on vous voit tous épuisés à l'arrivée. C'est pas facile parce qu'il n'y a jamais de temps de repos sur des parcours comme ça. On est à fond du début à la fin, et en plus c'est longue ligne droite dans le soleil, c'est l'enfer là. Terminé premier français dans le premier championnat du monde de triathlon, c'est important. C'est important, bon, mais en fait je deviens peut-être face à Philippe Métion qui a crevé, je crois, de l'avant. Et puis ben, ma foi, bon, mais aujourd'hui c'est moi, demain ça sera lui, et c'est la course. Merci. Belle performance de Patrick Girard, ex première catégorie de cyclisme plutôt. On va rester donc maintenant un petit peu avec les femmes pour découvrir cette néo-zélandaise. Décidément, ces néo-zélandaises brillent dans toutes les épreuves. Erin Becker qui a 28 ans, qui est professionnelle, qui est une triathlète professionnelle depuis 3 ans et qui est une spécialiste du marathon. Elle a fait 2h36 dans un marathon qui se passait sous la neige. Je vous rappelle qu'avec un temps de 2h35, vous êtes parmi les meilleurs du monde, et à 2h30, vous gagnez toutes les épreuves. Erin Becker qui a été totalement transformée, une morphologie complètement différente à il y a 3 ans en arrière, en 1986. Elle s'est énormément affinée. C'est vrai que maintenant, elle se prépare exclusivement pour le marathon. Erin Becker qui sera... elle aussi la première championne du monde officielle de triathlon. Erin Becker qui a gagné à 1885, qui a gagné à Hawaï en 87 et qui a été la première femme dans l'histoire à réaliser moins de 10 heures sur un Ironman, c'est-à-dire un marathon à Hawaï, catégorie C. C'est la grande figure du triathlon féminin, plus de 30 succès dans des triathlons sur tous les continents. Et une nouvelle fois, il s'avère que c'est la course à pied qui fait la différence. Il est indispensable d'être un remarquable athlète pour, athlète au sens athlétisme, athlète pour pouvoir briller en triathlon, puisque généralement tout se joue dans la dernière épreuve. Erin Becker, la néo-zélandaise, au ralenti, qui a rattrapé l'américaine dans la première partie de cette troisième épreuve de course à pied, et qui sera elle aussi dans quelques instants donc la première championne du monde officielle de triathlon, à moins qu'elle connaisse une défaillance. Mais c'est la situation surprenante. Mark Allen sur le podium, à peine marqué par l'effort, Mark Allen. Thank you.
Il faut combien de temps pour récupérer d'un tel effort? Je pense que l'effort d'aujourd'hui étant un triathlon court, un triathlète comme Marc Allen doit pouvoir courir un triathlon la semaine prochaine sans être marqué. Ce n'est pas le cas pour les triathlons comme Hawaï où c'est des courses de 9 heures et là je crois qu'il faut au moins 3 semaines, un mois pour récupérer et être au meilleur de son niveau. Et pas mal de Français chaque saison n'hésitent pas à enchaîner dimanche sur dimanche des triathlons de catégorie A. Oui. Certains même feront plus de 20 triathlons par saison, ce qui est quand même assez considérable. Bien entendu, comme c'est le cas dans certains marathons où sont mélangés hommes et femmes, Erin Baker double et passe de nombreux concurrents masculins. Il va réaliser une très bonne performance. Il nous reste 2 km à peine. Ce va-et-vient incessant de triathlètes sur le parc à vélo va durer encore plusieurs heures. Puisqu'il y a des catégories d'âge qui sont parties 10 minutes après les féminines. Pascal Frétigny, un autre Français, et je crois qu'il a fait une belle course parce que je crois que j'ai cru voir qu'en natation il avait reçu pas mal de coups et pourtant c'est sa spécialité. Et donc bravo Pascal. Les 6 internationaux arrivent alors qu'il y a le Bossard numéro 1. Un italien. L'italien Maria Bonatilli. Stack est avec Thierry, mais on va le laisser un petit peu récupérer, il semble très éprouvé. Pascal, il est très très dur ce parcours, c'est un des plus durs que vous avez connu. En course à pied, c'est l'enfer. Avec la chaleur du parcours plat, sans descente, sans relance, voilà, vraiment, tout le temps lancé. Quelles sont les portions de ce championnat du monde sur lesquelles vous personnellement vous avez le plus de mal? Bah, c'est en natation. Je me suis fait prendre au départ, je me suis fait retirer mes lunettes, mon bonnet, je me suis accroché au ponton pour tout remettre, je suis parti à 20 mètres derrière la meute. Alors, j'étais obligé de tout refaire. Ce parcours justement, il vous laissera le goût d'un grand championnat du monde? Bah, je trouve que ça a été un beau championnat du monde. Je crois que le vainqueur, et j'ai entendu ça, c'est un super vainqueur. Et chapeau aux gars qui sont devant, parce que c'était très très dur. Enfin, pour moi personnellement, ça a été très dur. On voit bien l'image, là, Pascal Frétigny qui perd ses lunettes. Vous avez vraiment bien vu le départ, Yves, tout à fait, on a revu donc Pascal qui avait perdu de nombreuses secondes. Pascal Frétigny qui a été un très bon nageur, un très bon sprinter il y a une quinzaine d'années, il valait moins de 53 secondes sur son nage libre. C'est un remarquable. Marc Allen qui gagne aujourd'hui 75 000 francs. À noter que les prix sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Petit pointage au cinquième kilomètre de la course à pied, donc Erin Baker, la néo-zélandaise, avait pris la tête devant Ripple, l'américaine. Sylviane Pontos, la canadienne, était en troisième position. C'était au cinquième kilomètre de la course à pied. Quatrième, Andrés Meyer. Cinquième, Samuelson. Montgomery, sixième. Septième, c'est l'autre jumelle Pontos, Patricia. Et en huitième position, c'était Mademoiselle Thoran, les demoiselles qui devraient arriver incessamment sous peu, avec en tête donc Erin Baker, la néo-zélandaise. Et encore une fois, une logique totalement respectée. Et Sylviane et Patricia Ploutou sont deux sœurs jumelles. Deux sœurs jumelles de 29 ans. Et si leur arrivée correspond alors que Laurent Bocquier s'écroule à difficulté. Tout à fait. Laurent Bocquier s'écroule à l'arrivée. Ils ont été au bout aujourd'hui. Laurent, c'est idiot ce que je vais vous dire, mais on vous sent vraiment terriblement éprouvé. Oui. Je suis nué parce que je suis pas bien aujourd'hui. Mais j'étais troisième de l'équipe et il fallait à tout prix que je termine. Alors, je me suis défoncé comme jamais. Je suis défoncé. Quand on est mal, ça fait vraiment très mal. Ah, c'est des bêtes. Et en plus, je suis pas bien. Alors, enfin, ça fait rien. C'est beau d'y avoir participé. Ça montre qu'il faut qu'on travaille encore beaucoup. Super état d'esprit. Quand vous voyez Marc Allen, qu'est-ce que vous vous dites? C'est le surhomme? Non, c'est pas un surhomme. Non, je crois pas qu'il faut qu'on l'aborde comme ça, sinon on le battra jamais. C'est un homme qui sait très bien s'entraîner, qui sait très bien vivre. Et qui a une hygiène de vie fabuleuse, qui est un vrai professionnel. Et puis bon, ça fait beaucoup d'années qu'il fait du triathlon. Je crois qu'il faut dire que c'est un homme et peut-être un jour, mais
Le jour est encore loin, je crois. Laurent, on vous voit faire des efforts terribles. Est-ce qu'il y a quand même des fois un moment au milieu d'un triathlon où vous dites j'arrête, ça suffit, j'arrête, j'ai mal? Ouais, il faudrait pas se dire. J'ai eu envie de me le dire, mais bon, il faut pas abandonner. Faut pas. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas. Remarquable de lucidité, Laurent Boquillet. La place par équipe est importante. Il s'est donné à fond pour permettre peut-être à l'équipe de France de finir dans les 5 ou 6 premières. Ce sera certainement difficile. On verra ça tout à l'heure. Mais... alors que dans les jours précédents, tout le monde était unanime à dire que ce parcours serait peu sélectif, qu'il faudrait être à fond du début à la fin, c'est vrai, mais qu'il ne sera pas forcément super éprouvant. Il s'avère que ce triathlon a été redoutable. Oui, c'est sûr que tous les triathlètes n'avaient pas pensé à cette chaleur lourde et je crois que là, on a la confirmation, tous les athlètes arrivent au bout et un effort des fois de 2 heures est des fois plus dur qu'un triathlon comme Hawaï, mais bon, c'est la course et il fallait penser à la chaleur. Il ne faut pas abandonner, c'est un thème qui revient souvent chez les triathlètes et ça reprend un peu le titre d'un film réalisé par Jean-Paul Jaude en 1983 sur le triathlon de Nice. Une phrase toute simple, le plus dur serait d'abandonner. Le plus dur serait d'abandonner. C'était les images d'ailleurs de Jean-Paul que vous aviez vu au tout début du reportage lorsqu'on vous avait remémoré un petit peu ce triathlon des années 80. Nous devrions dans quelques instants retrouver la tête du triathlon féminin avec Erin Baker qui depuis le 5e kilomètre de l'épreuve de course à pied caracole en tête. C'est pas vraiment une surprise, Erin Baker qui s'est beaucoup entraînée en course à pied ces derniers temps, elle qui espère assez rapidement abandonner le triathlon pour se lancer à fond dans le marathon et pourquoi pas participer aux Jeux de 1992. Il y a 19 minutes que Mark Allen est arrivé, il est pratiquement touché. Alors qu'arrivent les autres internationaux sélectionnés par leur pays. Erin Baker qui double des internationaux parti 10 minutes devant elle. Un triathlon qu'Erin Baker devrait courir en moins de 2h13. Moins de 2h10 là puisqu'elle arrive dans les 500 derniers mètres. C'est presque les mêmes temps que les marathons pour hommes. Décidément, ce triathlon, ce championnat du monde de triathlon aura sacré deux super coureurs à pied, Mark Allen et Erin Baker. C'était le triathlon des coureurs à pied aujourd'hui, il y aurait pu avoir le triathlon des cyclistes. Mais je crois que la natation a réservé pas mal de surprises à certains concurrents. Steve, faut-il être réellement un très bon coureur à pied pour maintenant gagner les plus beaux marathons, les plus grands marathons du monde, pour être au top? Bah, je crois, oui, puisque bon, ici, Mark Allen l'a prouvé, et je crois qu'il a prouvé aussi qu'il était très bon cycliste, parce qu'il avait perdu du terrain en natation. Alors je crois que peut-être l'espoir de Mark Allen aujourd'hui, c'est de revenir en tête de course assez facilement, et puisqu'il a été très facile en course à pied, il a rattrapé tout de suite Richard Wells en je crois 2 km ou 3 km. Et voici l'arrivée d'Erin Baker. Erin Baker dans ce sprint final, elle se retourne une nouvelle fois, mais elle va être couronnée championne du monde. Alors que Jeanne Ripoll n'est pas très loin derrière, Jeanne Ripoll. Oui, oui, oui. Jeanne Ripoll est peut-être à une dizaine de secondes derrière, mais cela sera suffisant pour la Néo-Zélandaise de devenir la meilleure, la première championne du monde. Dans un temps de 2h10, semble-t-il, temps officieux, bien entendu. Remarquable performance de la meilleure triathlète du monde qui, comme Mark Allen, s'impose. C'était la favorite, elle s'impose. Et son état de fraîcheur est tout de même étonnant.
suit en deuxième position Jacques Nicole. Son but était d'être dans les trois premières. Elle sera deuxième. Elle était sortie en tête après le vélo. Une trentaine de secondes de retard. C'est très beau. Erin, Erin, were you strong during all this race? Pain during the run. How do you feel? How do you feel with this title? Oh, I'm very, very, very happy. Je suis très, très heureuse d'être championne du monde. Was it hard? Yeah. Yes, it was very hard. Which part of the race was the hardest? The run. La course à pied était la partie la plus difficile de la course. Décidément, la course à pied aura été le point sélectif de ce triathlon. C'est vrai que sur un parcours vélo plat, rectiligne, sans grosse difficulté, les coureurs à pied devaient tirer l'épingle du jeu. C'est ce qu'ont fait Marc Allen et ce qu'a fait également Erin Baker. Très belle course de l'américaine. On s'attendait à un cavalier seul de une athlète repart sur un brancard et beaucoup de difficultés pour Jeanne Ripple pour récupérer cette chaleur. Elle réclame de l'eau, je pense. Ça entraîne de graves dégâts. Une déshydratation, peut-être la déception aussi de perdre titre de champion du monde à 30 secondes. Ne démérite pas d'être deuxième derrière Erin Baker. Bien au contraire. Erin Baker déjà sur le podium, tout sourire. Alors que Jeanne Ripple retrouve petit à petit son sourire. Et voici la troisième féminine. La troisième féminine, c'est Karen Smyers. Encore une américaine. Laurie Samuelson, américaine. Les américaines sont 2 et 3 pour l'instant. Quelle course extraordinaire! 10 km de course à pied et il fallait attendre le 8e kilomètre pour trouver un point d'ombre. Toute la course, toute l'épreuve de course à pied s'est fait sous la chaleur, sous le soleil. Karen Smyer, encore une américaine, termine en 4e position. Pour l'instant, les américaines font 2, 3 et 4. Les classements, parce qu'on va bientôt prendre congé de vous, malheureusement, mais on va un petit peu donc revenir sur les classements. Classement homme, championnat du monde. Le champion du monde, c'est Marc Allen. En deuxième position, à 1 minute 18, l'anglais Glenn Cook. En troisième, le néo-zélandais Richard Wells, à 2 minutes 10 secondes. En quatrième position, l'australien Stuart Miles, qui n'a que 18 ans, qui était le grand espoir de cette spécialité et qui est à 3 minutes 15. Ensuite, en cinquième, Rob Barrel, Pays-Bas, le deuxième européen, qui est à 3,35. Sixième, Brad Bevan, australien, il est à 3 minutes 39 secondes. Puis Mike Pigg, une déception pour ce favori, qui termine à 4 minutes 25. Il était devant Marc Allen dans l'épreuve de vélo à quelques secondes, il termine avec 4 minutes 25. Viennent ensuite Karel Blondel, le Belge, à 4,43. Puis Spot Anderson, australien, 4,52. Enfin, Wolfgang Ketting, autrichien, termine à 5,08. Le premier français de cette course, il se situe en 26e position, c'est Patrick Girard, il est à 7 minutes 34 secondes. Classement par équipe, tout à fait officieux, mais il semblerait que lorsque l'on consulte les 10 premiers, l'on trouve un Australien, deux Australiens, trois Australiens dans les 9 premiers. Classement est fait sur les 3 premiers, il y avait 6 coureurs par nation. À moins d'une énorme surprise, l'Australie est championne du monde. Le but du président de la fédération, qui est à la fois le coach, qui s'appelle Jeff Frost, était de nous dire hier à la présentation des délégations, nous venons pour gagner. Nous avons des athlètes pour cela et l'Australie est donc par équipe la meilleure nation du monde dans le triathlon. Chez les femmes, le classement est le suivant.
Chez les femmes, première Erin Baker, deuxième l'américaine Jen Ripple, troisième Larissa Belson. C'est également elle aussi une américaine. Alors qu'arrive la brésilienne Andrea Zeppelin. Et on va vous donner... Patricia Pintos, pardon, la canadienne, oui. On va d'ailleurs vous donner tout de même les autres classements des Français que vous attendez certainement. Le deuxième Français, c'est Pascal Frétilly à la 58e place. Il est à 12 minutes 34. Puis nous trouvons après Laurent Bocquillet, qui a rendu hommage à sa discipline et qui a terminé très très là et qui est situé à la 72e place à 14 minutes 57. Enfin, Vincent Bavet est 83e à 18 minutes 04. Alors que nous vous rappelons que Philippe Pétillon, qui était dans les 10 premiers dans l'épreuve de vélo, qui avait toutes ses chances, pas pour un podium, mais pour une place dans les 10 premiers, a malheureusement abandonné à la suite de deux crevaisons successives. C'est bon, on peut le donner à la presse. Allez, hop. Merci. Maintenant, les cartes sont entre les mains des gens du CIO. Peut-être le triathlon sera olympique en 1996, en démonstration en 1992, et nous verrons peut-être Yves Cordier champion olympique dans quelques années. Quels sont les... Merci Yves de nous avoir aidé à commenter ce championnat du monde de triathlon. L'objectif, le prochain, c'est quoi? Pour sauver ma fin de saison, j'espère aller à Hawaï et faire du mieux possible. Il y aura donc Mark Allen, Dave Scott, et mon but est de rentrer dans les 10 premiers, pourquoi pas dans les 5 premiers. Dans combien de temps serez-vous opérationnel? Je pense que je vais pouvoir renager dans 15 jours, donc il me faudra donc un mois pour revenir à mon top niveau, et je crois que je travaillerai beaucoup pour être au premier plan à Hawaï. Eh bien, nous allons donc conclure sur ce triathlon. 3 heures de direct, il y avait beaucoup de moyens qui étaient mis à votre disposition pour se faire dans les meilleures conditions possibles. Cette première européenne, puisque je vous rappelle que c'était la première fois qu'une télé en Europe essayait de couvrir un marathon en direct, un triathlon, dans son intégralité. Il y avait pour les commentaires sur les deux motos Thierry Dujon, Thierry Gilardi. Il y avait comme consultant technique Marc Toesca et puis la présence d'Yves Cordier. Les moyens techniques étaient ceux de la SFP à la réalisation Jean-Paul Jaude et une équipe de plus de 70 techniciens. Nous vous souhaitons une très belle fin de journée sur Canal en vous rappelant et à la réalisation également Jean-Pierre Durot, avec Jean-Paul Jaude qui est au départ notamment. Et je vous rappelle qu'il y a rendez-vous sportif sur la chaîne, à ne pas manquer, mercredi le foot européen recommence avec un tour préliminaire. Auxerre, Dynamo de Zagreb, c'est à 20h05 en direct d'Auxerre, ça sera la coupe de l'UEFA, tour préliminaire. Voilà, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, et puis on vous dit à très bientôt, peut-être pour du triathlon, souhaitons-le, au revoir.